Bonsoir et bienvenue au Jury Car Show. Est-ce que le Castres Olympique a disparu ce soir du challenge européen? On va en débattre avec Julien et ses invités. Salut Julien. Bonsoir tout le monde. Bah écoutez, voilà, je pense que premier match, première défaite chez les Dragons. Bon, c'est pas une compétition, on va peut-être pas se voir la face. Et dans la situation actuelle dans laquelle nous sommes, je pense pas que la Coupe d'Europe soit un objectif très très important pour le Castres Olympique. Il faut surtout préserver nos joueurs, éviter les blessures et voilà, et se concentrer surtout sur le championnat. Voilà, je pense qu'il n'y a pas trop à,
à pouvoir débattre autrement qu'en se disant voilà, c'est dommage pour les remplaçants qui auraient pu eux faire leur preuve ce soir. Mais voilà, bon, pour, avant de commencer, on va présenter quand même nos invités et toutes les personnes qui sont autour de cette table. C'est pas sérieux. Ah, voilà. C'est tragique, mais c'est avec tragique. Des clés derrière. On va pas se mentir, on a fait l'apéro pendant le match tellement que c'était nul. Allez. Alors, il souhaitait une défaite du CO, il l'a eu. Par pudeur, nous avons décidé de le mettre derrière la caméra et pour ne pas vous procurer une sensation de peur intense, on le surnomme la hyène de Radio Olympique TV, le producteur de notre belle émission et le videur de bouteilles, Thomas Séguier. Bravo, bravo. L'homme. Non, ça c'est pas gentil. L'homme aussi fait le plus méprisé du Tarn. Il apportera des explications sur l'arbitrage. On pourra le suivre aussi dans le prochain épisode de Dora. Grand connaisseur et amateur de rugby, paraît-il. Il nous fait le plaisir de venir pour la première fois dans notre studio garage. Il est président de l'association des arbitres de rugby du Tarn. Ça fait beaucoup de mots. Attention. Alexis Cassan. Bravo. Le public commence à être chaud. Enfin quelqu'un d'officiel. Alors, l'homme qui murmure aux oreilles des sourds, il a un avis tranché sur tout, il est en grande forme en ce moment, et a prononcé le mot putain à peu près une cinquantaine de fois pendant ce match. Entre deux verres. Pour lui, le CO est toujours aussi nul. Encore aujourd'hui, on va lui laisser le coup de gueule, c'est notre ami Thomas Courtois. Bravo. Hashtag la hyène numéro 2. Ah oui, là, ça va. Alors, aller, pour nos invités, j'ai un petit peu triché pour une fois. En fait, c'est pas moi qui ai fait le portrait. J'ai demandé à un des trois, il se reconnaîtra, de me parler un petit peu des deux autres. Vous avez vu ou pas? Pour la présentation de Bastien, donc, qui est à l'extrémité, qui, ça se voit, il est pilier, je pense. Ah bon, c'est ça. Plutôt à gauche, il aura 32 ans en décembre. Il est marié, papa de deux petites filles. Il a toujours joué à Soragout. Ah, attends. Sauf une période d'une ou deux saisons où tu es parti à l'avoir. C'est ça. Voilà. En général, la Ligue des Champions prend le dessus sur l'entraînement du mercredi. Ouais, c'est ça. Ouais. Cette année, ça va bien, ça ne que le vendredi. Il a un manque de maîtrise certain pour manœuvrer après les soirées. Ah, arrête-y. On va tout savoir. Est-ce que jusqu'ici, on est bon ou on n'est pas bon? Ouais, c'est à peu près. Ça va, bon. C'était avant. On va continuer. Alors, Tamalou, qui est l'entraîneur, c'est Jérôme Test. Il a 49 ans. Il est marié, il a une fille qui est maintenant grande. Il a encore une licence de joueur en plus d'entraîneur. Il arrive à réguler les gens par sa grande sagesse. Je ne vous montrerai pas les smileys qui suivent. Il était déjà senior quand l'essai valait 4 points. C'est vrai. Mais oui. C'est fou ça. Champion de France honneur en 2005 avec Soragout. Plusieurs fois champion de France, 6 ou 7 avec le Labo Pierre Fabre. Voilà, il joue à l'arrière, il a toujours été très bon. Il n'aime pas trop recevoir de chandelles sur le terrain de Bédarieux. Bravo. Pour le dernier, donc, Vincent, lui, s'est fait un petit portrait de 4 lignes. Hein. Il s'est dit, pour moi, j'ai 36 ans, je suis marié, j'ai deux filles. Et je il vous emmerde. Il a toujours joué à Soragout, hein, avant la fusion 2004-2005. Il a commencé 3e ligne et aujourd'hui, il est à l'honneur. Voilà le topo des 3 personnes présentes. Merci de recevoir le club de Soragout. Bravo. Tu peux lancer le jingle Jingle quoi? Des briefs. On y va. Allez, c'est parti pour le débrief. Alors, bon, défaite. 31-17, on l'a déjà dit. Voilà, moi j'insiste parce qu'on est en train de voir un petit peu des commentaires un peu partout et ça fuse un peu rapidement sur l'état de santé du casque olympique. On sait que c'est pas une grande période pour nous, on va pas très bien. On sent qu'on a la peur au ventre encore quand on joue nos matchs, même nos remplaçants qui pourraient faire leur preuve et prendre un peu plus de responsabilité pour bousculer un petit peu la hiérarchie et se montrer sur cette compétition. On sait que c'est pas un objectif premier pour le club et qu'aujourd'hui notre survie passe par le maintien, surtout en top 14. Donc moi je donnerais pas trop, même si c'est dérangeant et même si ça fait pas plaisir de voir ce qu'on voit aujourd'hui sur le terrain. Je pense au mec et voilà, je me dis que voilà, il faut nous assurer pour le championnat et que cette compétition, ça va pas nous aider, enfin, d'après moi. Qu'est-ce que tu en penses, Alexis? De suite, moi, non, mais, par rapport au match qu'on a vu aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas. Match de Challenge Cup, tout le monde dit que ça doit être les matchs références où c'est qu'il faut qu'on sorte des jeunes. Bon, très bien, il faut les faire jouer. Tout ce qui est sport et compagnie, ça peut aussi nous permettre de mettre notre jeu en place. Mais, quand tu prends 3 essais à moins de 15 minutes, ouais, 20 minutes aussi. Ouais, 20 minutes. Le premier essai au bout de 8 minutes, après le second qui arrive derrière, et puis la 21e sur 2 essais en contre, c'est compliqué, très compliqué au niveau de la défense. Il y a quand même un gros problème. Là, c'est sûr que c'est le truc à régler.
Thomas. C'est catastrophique. Mais c'est dramatique, c'est scandaleux, c'est dramatique, on est nuls. Mais on est... en face, il y avait des plombiers, on n'arrive pas à les battre. Il y a un problème, quoi. On fait quoi Des plombiers quand même, je pense que ça exagère un peu. Non, ouais, parce que quand même, tu vois, peut-être la pro des deux, mais quand même. On fait trois passes d'affilée, on arrive à les surclasser, les mecs. Et on n'arrive pas dans les 22, à chaque fois dans les 22, allez en avant, allez bing. Après on rappelle que c'était pas l'équipe type non plus du Castres Olympique. Oui ce mais soir. 80% voilà, quand même, on avait une belle équipe sur le papier. Ah mais nous sur le papier ça pose jamais de problème. Hein. Ah, voilà. On a toujours une belle équipe. Le problème c'est trop de fautes de main, Nkinsi. Rien que pour lui je crois c'est 3 ou 4 en avant. 3 ou 4 en avant. Sur des situations et des temps de jeu où on commence à faire la différence. Ils avaient oublié la bombe au vestiaire de Cole parce qu'il y avait un problème. C'est pas possible. Les mecs, c'était pas une savonnette, il pleuvait pas. C'est qu'il y a un problème là. Ça on sait pas parce que vu la caméra. Je crois qu'il est en forme Thomas Courtois. Non, après c'est compliqué sur ces matchs là et on le sait c'est des matchs pièges aussi. Si tu vas un petit peu en dilettante, t'es pas forcément en confiance non plus. Les mecs, ils t'attendent pour eux. C'est des matchs pour se faire plaisir aussi, pour se mettre en confiance. Sinon, on arrive à La Rochelle, on monte même pas dans le bus. Hein. La Rochelle, déjà, t'auras pas la même équipe. Ben je pense. Mais la semaine prochaine. La Rochelle qui a pris une tôle ce soir, a priori. Enfin, ouais, qui était en train de perdre chez eux. La semaine prochaine, t'as un très gros match contre Worcester. On fait quoi? On joue pas à la maison? Le public, il va venir pourquoi? Pour boire des bières à 4 euros la bière? Lui, en fait, il refait tout bien. Ils auront le tarif. 15 euros la bière. Il aura mis 3 euros la bière. Un prix là, il y a un prix au lait en dessert. Et en plus, il y a des tokens. C'est la merde, ça. Bon, on va montrer vite fait la poule du Castres Olympique. Voilà. Autant pas la jouer, autant rester à la maison. Pourquoi il se fait chier à crever les mecs et les blesser? Non, mais c'est surtout ça. C'est qu'aujourd'hui, si tu envoies ton équipe type, tu peux mettre en danger On a qu'à envoyer les crabos, ils iront jouer, ils auront de l'envie. Non, tu peux pas dire ça. Le problème, c'est que sur ta profondeur de banc aussi, il faut donner du temps de jeu à certains joueurs qui sont présents, comme les espoirs. Il faut bien qu'ils passent par ce genre de match, mais c'est compliqué aussi. Par exemple, on avait juste Sozar et Fernandez, hein. On n'avait pas d'autres. Hein. Fernandez, tu ne mets pas dans les meilleures conditions quand tu formes cette charnière avec Rado. C'est pas pour être méchant avec Rado. Mais quand tu n'as pas un indice de formation qui est derrière toi pour te soulager. Tu ne les mettras pas non plus à La Rochelle. On envoie les mecs au casse-pipe. Allez, démerdez-vous, les mecs. On est qualifié à challenge. Faut aller jouer là-bas. Démerdez-vous. Sur des matchs comme ça, tu peux faire sortir Nakossi et les faire jouer. Ça leur donne du temps de jeu, mais on n'est pas là pour aller jouer à la Challenge Cup, je suis désolé. Non. Ça nous fait du temps de jeu, c'est très bien, on ne pète pas les mecs, on revient à la maison, on reprend une branlée, on en prendra une autre la semaine prochaine. Mais en top 14, il va falloir se sortir les doigts, ça c'est clair. Alors justement, vu comme ça réagit en direct, on a Florian Barthès qui nous dit si c'est pour jouer comme ça, autant envoyer les espoirs, il faut se concentrer sur le top 14. Voilà. Mais je crois qu'on l'avait dit la semaine dernière en émission. La semaine dernière déjà, on en avait parlé, on avait expliqué. Que sur cette Challenge Cup, c'est bien aussi pour ces joueurs-là qui sont en contact des pros, qui se préparent avec, de pouvoir avoir du temps de jeu. Après, voilà, c'est dommageable pour eux parce que tu sais, c'est compliqué aussi quand tu es jeune et que tu rentres et que tu ramasses, c'est compliqué. Compliqué. Mais après, il y a des choses quand même, il ne faut pas tout jeter. Je pense sincèrement que. Il n'y a pas grand-chose à garder. Il n'y a rien à garder, les mecs. Franchement, quand tu vois l'envie, tu ne peux pas en vouloir un jeune Fernandez. C'est ça, moi, je me mets à la place. C'est le seul qui a été bon sur ce match. Je suis désolé. Ouais, mais on l'a envoyé au charbon ce soir. Alors que c'est un espoir. Ouais, mais c'est pas bien de l'avoir envoyé au charbon ce soir. Alors c'est mon avis. C'est pas une question de ne pas être bien, c'est qu'il n'a pas été mis dans les meilleures conditions. Il a pas, pour avoir ce poste-là, enfin, moi j'ai jamais joué, de toute façon, au rugby ça m'a jamais intéressé, je suis un peu trop heureux pour ça. Je reste à la buvette et ouais, je préfère les mecs qui se tirent tout, ça me va bien, ça me plaît. C'est tout. Quand tu vois ce qui se passe, quand tu as un vrai 10 derrière toi, ça peut t'aider sur le positionnement, sur tes façons de jouer. Tu assignes là. C'est-à-dire qu'en fait, tu mets Fernandez avec Rado. Va au bout de ton truc. Rado. Il a joué combien de fois 10? Il a joué 3 fois 10. Non, il a déformé 10 quand même. C'est ça. À la base, c'est un numéro 10. À la base, c'est un 10. Après, c'est un 10 à 9, on ne sait pas. Peut-être un 15. Après, qu'est-ce que veut faire Richardo avec un Fortunel sur le banc? Pourquoi il ne le fait pas jouer? Ah oui, c'est ça. Tu fais jouer Fortunel Fernandez. Le but de ce match-là, c'est aussi de donner le temps de jeu. Quand même, là, tu pars. À des gars, à leur poste. Là, tu vas partir quand même sur une série de 12 matchs d'affilée, quand même. Ça, c'est vrai. Ça va être long à mon avis. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors on envoie les espoirs. Autant pas y aller, autant pas se déplacer, autant dire on est forfait, terminé. Alors justement, on va revenir sur la composition d'équipe quand même. Non Julien? Comment? Au lieu de lire les commentaires. Non c'est lui là, il me trouble là. On revient sur la composition d'équipe. Qu'est-ce que t'en penses de cette composition ce soir? Franchement sur la composition d'équipe, qu'est-ce que tu veux dire?
Moi, je pense que De Benedetti, c'était bien pour lui qu'il puisse être titulaire. Franchement, ça, moi, il me plaît en tout cas. Dans... Ah, mais là, il a été bon. Voilà. Après, il a été pénalisé. Il est vraiment pas mal. Il est tonique. Il a été pénalisé deux fois par monsieur lui, l'arbitre. Là, qui, il était vraiment dérangé. Dès qu'on perdait des ballons, dès qu'on... tu le sentais, il commençait à gueuler. On le voyait vraiment impliqué, on le sentait bien. Après, Kevin Firmin, bon, bah, lui, il se met pas en confiance. Premier lancé, le pauvre, c'est un retour aussi pour lui, qui a enchaîné plusieurs pépins physiques et bon, du coup, qu'on n'a pas beaucoup vu. Enfin, Nounou. Qui a pas joué de la saison. Et qui a compliqué aussi, mais bon, c'est bien, tu lui donnes du temps de jeu. Bon, Gimeno et Nkinsi, ils ont déjà joué ensemble. Hein. Tout le monde, ils ont formé cette charnière de deuxième ligne. Donc, bon, un peu plus compliqué. On a perdu beaucoup de ballons par Nkinsi et. Ouais. Ça, c'est dommage sur des ballons d'attaque comme on les a eus. Troisième ligne, on retrouve Girondo, Toulou, Vaipoulou. Sur le papier, t'as une sacrée troisième. D'ailleurs sur le départ. Non, sur le papier, ouais. T'as une sacrée troisième. Sur le papier, pas mal. Mais d'ailleurs, sur la première action, tu les déstabilises, tu peux aller à l'essai. Ah oui, si tu dois marquer, putain, tu dois. On fait un en avant à 10 mètres, là, c'est dommage. Donc la charnière, c'est Fernandez et Rado. Ouais, parce que j'arrive pas à dire la fin du nom. Paire de centre, donc c'était David et Vialel. Ozel, Paris et Nkosi. Et derrière, bah, le dernier match donc, de Benjamin Lapeyre sous les couleurs du Castres. Attends, on est sûr Joker Coupe du Monde. On est sûr pour le dernier match de Benjamin Lapeyre, parce que la semaine dernière, c'était le dernier match déjà. Non, en fait, ce qu'il voulait dire, la semaine dernière, sur sa communication, c'était son dernier match de top 14 à Pierre Fabre. Ah, moi, j'ai pas vu ça, mais bon. C'était à Pierre Fabre aussi. Mais il y a pas Cabane aussi. Cabane, il n'est pas un Joker Coupe du Monde. Non, c'était Sanson. Sanson qui finira la saison. Sanson qui finira la saison avec nous parce qu'on n'a pas deuxième ligne. Parce que normalement, au départ, il est pour. Il était pour Joker. Oui, comme la paix. Je crois qu'avec le départ, on n'a pas deuxième ligne. On a libéré en fait. Gimeno est sorti sur protocole là. Donc si Gimeno sur protocole, comment ça. Non, mais de toute façon, Sanson, ça a changé. C'était le départ de ma fille. On va faire quoi. On va faire quoi. On va aller chercher les deuxième ligne parce qu'on n'en a pas. Après, il y a bien peut-être un joker médical qui viendra, ça dépend aussi du temps de. Ah oui, au mois de juin. Non. Mais alors l'optimisme. Hashtag trop tard. En fait, le joker médical de qui est blessé. Et ouais, qui c'est qui est blessé. Voilà, c'est Gimeno là qui est sorti. Ouais, mais c'est pas. T'as pas le droit. On n'a pas de deuxième ligne. Après, t'as pas le droit. Il est pas blessé. Rodrigo, c'est pas ce qui se passe avec Rodrigo. C'est commotion. Ouais. Ah, c'est commotion. Commotion, c'est pas joker médical. Non, non, non. C'est une grosse blessure. Non, mais commotion, c'est 3 semaines. C'est ça. Tu prends 4-5 mois. Commotion, c'est 3 semaines. Non. Après, ce qui te manque, c'est toujours ce problème d'ambition. Tu te retrouves 5 ou 6 fois devant la ligne. On n'est pas foutu de jouer rapidement. Ouais, c'est ça. Au pied, on reprend la touche. On n'est pas foutu de faire déjà un molle porté propre, donc qu'est-ce que c'est de merde. On prend la touche au bout d'un moment, toujours rapidement. Les mecs, ils étaient même pas replacés. Ils étaient venus, le mec blond là, je sais plus qui c'était, le blond. L'homme du match, mais l'adversaire. Il a parlé à l'arbitre, le temps qu'il parle à l'arbitre, tu joues rapidement. Tu vas marquer, terminé. C'est 5 ou 6 fois, on se retrouve. Après, le problème, c'est qu'il a ralenti le jeu. C'est qu'il leur manque, c'est la confiance. C'est la faute à l'arbitre. Tu démarres la saison compliquée. La confiance, il faut la prendre là, parce que c'est pas à La Rochelle que tu vas arriver avec la question. Non, mais après, tu joues déjà avec la peur au ventre. Après, tu peux vite changer. Qu'est-ce que tu veux jouer avec la peur au ventre là? Pas besoin d'avoir. Là, je pense que face aux Dragons, il n'y avait pas la peur au ventre là. T'as la peur au ventre au top 14, mais. Non, non, ce que je veux dire par là, c'est comme. Faut pas déconner quand même. Ils sont pas bien, tu le vois bien. Non, mais on le sait qu'ils sont pas bien, ça c'est une chose. Mais les Dragons, c'est pas non plus. Voilà quoi. Ouais, faut laisser passer. Ben, attends. Il y a quand même des joueurs qui sont. Oui, il y a des joueurs. De c'est professionnel quand même. Il y a quand même Mauricio qui est là. Il était venu une fois, mais c'était pour. C'est pas, il a pas le même cadre quand même là. Non. Il est dans le cadre. Avant, il était venu pour sauver la baraque. Là, il vient pour, je sais pas, 2 ans ou 3 ans. Pour sauver la baraque aussi, quand même. C'est long, hein. C'est long. Le gros problème, c'est que lorsque tu es arrivé, c'était compliqué aussi. Bien sûr. On va pas se le cacher, il y a un problème dans le groupe. Je suis désolé. C'est pas le groupe le problème. Non, je comprends pas. C'est la personne qui. Ouais, attention. Non, mais je veux dire, sortez attention. Je pense que les mecs. On pensait que c'était l'entraîneur au début le problème, mais je pense qu'il y a un problème dans le groupe aussi quand même. Mais ça va repartir. Comme il dit, il manque un peu de cadre. Alors pourquoi ça devrait repartir? Alors justement, on va réagir. Pourquoi? C'est un problème de groupe, je pense. Ouais, je pense que ça. Il manque un peu de talent aussi. Bah oui, se cacher. Parce que la Cossi, il va faire ses doubles. La Cossi, sur les 3 ballons, il avance de 15 mètres. C'est le seul qui avance. Le mec, il te fout la droite. Mais après, t'en manques pas beaucoup. Le match géré contre Brive. Non, c'est ça. Ouais. Tu prends en attaque, c'est propre. Dans les, ouais, c'est pas mal, hein. En attaque, t'as des mouvements qui se font. Il te manque un peu de franchissement, un peu de réussite. Ouais. La semaine dernière, première mi-temps, t'attaques bien en défense. Tu vas chercher, tu défends bien. J'ai pas vu le match aujourd'hui. Mais ça va se régler. Ça...
Je pense pas que tu fasses le 6, mais... Est-ce qu'au mois de novembre, tu penses que ça va encore se réguler, là? Non, quand ils étaient champions de France, la dernière fois que Castres était champion de France, ils ont quand même, je crois qu'ils avaient perdu les 4 premiers matchs, quand même. Voilà, ils donnent 3 à la fin. On a un sacré bloc de matchs, après. Non, mais il faut laisser passer le match de la 12e à la 6e journée. Ouais, mais c'était, je vais pas revenir là-dessus, mais c'était sous l'ère Urios. Est-ce que Red Jarvis sera capable de faire la même chose? Le groupe, tu l'as, hein. Le groupe, voilà, oui. Quelques joueurs sont arrivés, l'ossature et ceux qui étaient présents sur le titre de 2018 sont là. Après, faut pas se faire des torsades dans la tête, c'est assez simple quand même. Le truc, c'est, ça va repartir, t'as quasi le même joueur. Il change de projet, ça joue différemment offensivement, défensivement. Au début de la saison, ils ont dit, on a une base solide, on l'a pas trop travaillé. Bah, t'as pris la tête, si tu perds vite, c'est joueur top niveau, t'as les formules en face. Tu changes toutes les jeux, tous les trucs, c'est forcé qu'il y ait des soucis. Ouais, quand t'as un lancement de jeu précis, lui, il arrive, il change tout. Lancement de jeu, tout ce qui est touche, tout ce qui est mêlé, il faut commencer à le. Attends, le match à Montpellier. Ah, faut l'assimiler, hein. Le premier match à Montpellier. Non, mais il faut l'assimiler, mais. Attends, au top 14, on est à combien de journées là? Non, mais 9ème, d'accord. Non, mais attends, tu vas pas comparer Toulouse quand même là, je suis désolé. Les derniers matchs que tu fais contre Brive là, au bout d'un moment, on va faire se mettre la tête dedans parce que. Ça nous a convaincu? Ça nous a convaincu? Vous pensez que ça va dans la tête des joueurs, ça va aller. Il vaut mieux avoir gagné que perdu quand même. Ah, bah on est bien d'accord parce que s'ils avaient perdu là, je pense que. C'est toujours pareil, t'es pas en confiance donc automatiquement. Mais tu ne laisseras pas plus à La Rochelle après deux défaites là. Oui, si tu perds samedi contre Worcester à la maison. Parce que tu fais. T'arrives à La Rochelle, t'es pas bien. Tu feras davantage des jolis matchs contre des grosses équipes que contre les petites. Ah, oui, c'est ça. Parce que le week-end dernier, tu gagnes. Après, les gars, ils ont pas un mental de poulpe. Tu vois, t'as un renvoi, Jérôme Rouy va se l'arracher, tu fais un beau temps de jeu. C'est ce que je dis. Tu vas chercher le truc, tu vois, donc le caractère, tu l'as quand même. Alors que t'as la compte, t'es quasiment. Mais ça manque de leader, ça manque de leader. Je sais pas. Ah si, je pense. Non, pourquoi vous dites que ça manque de leader? Non, justement, je pense qu'ils sont dans le groupe. Après, voilà. Rado Capitaine aujourd'hui, il a resserré le groupe. Mais ça sert à rien, d'accord. Voilà. C'était pas. Alors, peut-être que ça sert à rien. Alors, pourquoi il était capitaine justement? On met Toulouse à la rigueur, peut-être. Non, mais pourquoi il était capitaine? Tu sais pas comment ça se passe. Dans le groupe, ouais, c'est pas comment ça se passe. Le capitaine, c'est pas forcément que sur le terrain. Tu as des joueurs dehors, ça fait. Absolument. T'as jamais été joueur? Non, mais moi, je suis spectateur. Ouais, mais c'est pour ça. Mais bon, c'est. Ah ouais, non mais attendez, les gens qui nous regardent sont des spectateurs. Oui. Ah oui. Et des supporters. Donc on essaye de trouver et d'expliquer le pourquoi du comment. Il y a bien un problème quand même. Ouais, mais il faut pas quand même. Ah bon, on vit pas dans le groupe. Ah ben non, on n'a jamais dit le contraire, on est bien d'accord. Non, après voilà, il faut pas les 6 mois. Moi je pense que Rado, et on l'a dit la semaine dernière, c'est quelqu'un qui est très important dans le groupe, ouais. Qui vit bien. On l'a vu sur plusieurs reportages, même depuis les 3 ans qu'il est là, il a fait sa 3e année. Il a toujours été un leader hors terrain, il a toujours essayé de consolider des liens. Non, mais ils ont une association de joueurs, ça m'occupe aussi. Voilà. Je pense que c'est quelqu'un. Pas un mauvais match encore. Ça n'a pas été plus nul. Justement, c'est pas ça. L'animation, elle a été bon. De toute façon, si ce choix-là, il est fait par Mauricio, c'est qu'il y a une raison qui est cohérente. Je pense pas qu'on mette un capitaine comme ça. Là, c'est pour faire jouer les mecs, c'est tout. Il n'y a rien de plus sur ce match. Et de toute façon, en même temps, tu poses la question. Et tu mets qui capitaine sur cette compo? Ouais. Moi, j'aurais mis Toulouse. Et Toulouse avec quel temps de jeu? C'est un mec qui a joué bien. Rado, quand même, depuis le début de la saison, il est où le fois titulaire ou le fois remplaçant? C'est ça. C'est le seul qui joue. C'est que des remplaçants. C'est ça. Il faut dire clairement, c'est que des remplaçants. D'accord. Moi, je connais bien. La première ligne, Poulou et Tichy. En comparaison à la semaine dernière, la première ligne, c'était Tichy, Tralli ou Patin. Donc, déjà, la deuxième ligne la semaine dernière, c'était Sanson Jacquet. Donc, déjà, ton seul point, il est changé. Troisième ligne, il n'y a que Vaipoulou qui est encore présent. À la charnière, personne. Jacquet qui est blessé. Au paire de centre, tu récupères juste Vialel. C'est-à-dire qu'en fait, sur cette composition et celle de la semaine dernière, tu n'as que deux joueurs qui étaient titulaires face à Brive. C'est Rado et Vialel. Parce que tu les conserves pour Worcester. Pour Worcester ou pour La Rochelle? Tu peux prendre confiance à domicile, c'est encore différent. De toute façon, t'as perdu à l'extérieur, t'as pris 0 points, la qualif elle est morte. Elle est morte, continue à faire jouer les. Ah oui, fais jouer les jeunes. Ah bon? Non mais sérieusement, la qualif c'est fini là. T'aurais pris un point là. Ouais, que tu fais déjà. En Coupe d'Europe, tu fais. Pourtant, je vais remettre à l'image de la poule du CO, c'est pas non plus. Je veux dire, c'est pas insurmontable. Tu pars en Angleterre.
Russie, oui, non, mais d'accord, mais bon. Gagne, non, mais la Russie, à la limite. On va revenir là-dessus, mais bon. La Russie, tu vas aller gagner. Quand on voit la poule du Giro, je suis pas sûr que ça soit déjà mort ce soir, moi, personnellement. Quand on voit les équipes, mais après. Tu vas aller coller le cul et tu risques des blessures, c'est ça. Non, mais c'est pas. De toute façon, c'est pour ça que tu vas aller. Pour l'équipe russe, tu la calcules pas. Ça pouvait jouer sur Castres, les Dragons ou Worcester, c'est tout. C'est pas compliqué, il faut pas voir plus que. Moi, je pense qu'il faut faire le dos rond. Il y aura des gens meilleurs. Regarde le stade. Le stade, il y a deux ans, tout le monde l'est tué. Ils ont fait le dos rond, ils étaient presque derniers, et là, c'est quand même autre chose maintenant. Oui. L'effectif, c'était pas le même nom. Peut-être. Ouais. Et le stade de formation n'était pas le même non plus. Bien sûr. L'importance que tu donnes au centre de formation n'est pas oui, mais ils ont fallu qu'ils touchent le fond pour faire jouer des jeunes. Et peut-être que. Il faut arriver là pour éventuellement. Non, ils ont toujours fait jouer des jeunes. C'est que, toujours, donné, faut aussi que les jeunes arrivent à le palier. Là, on a vu pendant la Coupe du Monde, tous les jeunes ensemble, ça gagne pas. Non. C'est bon, ça joue, c'est bien, mais ça gagne pas. Non, mais ils sont pas arrivés non plus dans une bonne situation, les jeunes. Un par-ci par-là avec de bons joueurs. On a combien de jeunes qui ont été champions du monde? Oui, non, mais d'accord. Et oui. Alors que. On n'a pas beaucoup d'internationaux. Non plus. On va pas se plaindre. Non, on va pas se heureusement pas. Encore. Heureusement, parce que si on avait 15 internationaux, c'est encore mieux. Pourtant, 15 exagère, mais si. Si, il est très gênant. Ça va être beau. Les Canadiens. T'as pas d'internationaux, c'est que t'attires pas les internationaux. En plus, c'est un problème aussi. Ah, on est bien d'accord. C'est un problème aussi. On est bien d'accord. Mais de toute façon, tu vas vite le voir aussi. Sur tes fins de contrat et tes renouvellements ou alors tes propositions de contrat. Quel joueur va venir à Castres? Pas tous en même temps, là. Bien vu. Quel joueur va venir à Castres aujourd'hui? Personne. Non, mais c'est compliqué. On joue le challenge européen. Déjà d'un. L'attrait européen. Les mecs qui veulent jouer la Coupe d'Europe. Non, mais l'attrait européen, c'est mort. Voilà. Les mecs qui veulent venir, ils veulent vouloir jouer la Coupe d'Europe. Ils vont se dire, on va pas jouer là. Non, ils vont peut-être venir pour le salaire surtout. Et qu'on est même pas diffusé. Il y en a encore. Tu sais, il y a encore. Mais t'es pas plus payé ici. Si jamais tu vas avoir un joueur et tu leur proposes 42 000 euros par mois, il s'en foutra de jouer à la Coupe d'Europe. Ouais, on a pas le budget. On est bien d'accord. C'est sûr. On a pas de toute façon. De toute façon. On a pas le budget. De toute façon, comme tu veux, tu la joues quand même la Coupe d'Europe. Soit la petite ou la grande. On a pas le budget pour. Soit les petites ou les grandes oreilles. Voilà, exactement. C'est une histoire d'argent de toute façon. Bon, bref, tout ça pour dire que pour vous, le challenge c'est terminé, c'est plié, on n'en parle plus. De toute façon, il vaut mieux. Voilà. Malgré les 3 matchs qui vont arriver à 20 euros, pas cher, pour y aller au stade. Moi, je pense quand même que dans le groupe, il manque pas. Clairement, ils ne le jouent pas. Voilà, c'est ça. Ils mettent l'équipe 2 au premier match. C'est ça. Toulouse, ils sont montés à Gloucester, ils avaient mis l'équipe type. Non, mais ils mettent peut-être l'équipe 2 parce que vu la situation en top 14, c'est peut-être mieux. Bah non, au contraire. Non, moi, si les gars sont pas confiants, faut les jouer, faut les faire jouer. Faut les faire jouer, faut reprendre confiance. Si tu les fais pas jouer, faut les mettre en confiance. Alors pourquoi Reggiardo n'a pas aligné l'équipe 1 ce soir? Parce qu'il avait pas envie. Parce que c'est pas un objectif. Mais parce que c'est pas un objectif. Le temps était donné de t'aller jouer. On est bien d'accord. Non, mais t'as 12 matchs. Oui, non, mais on est bien d'accord. C'est ça. Non, mais c'est pas la seule équipe non plus à avoir 12 matchs, on est bien d'accord. Oui, mais toi, si tu dois faire l'impasse, il vaut mieux la faire sur la. Oui, oui, de suite, on doit la faire de suite. Tu peux passer la Coupe d'Europe et sauver ton cul en top 14. C'est ça, on est bien d'accord. Tu m'as mis qui samedi là? Et puis il manque une personne aussi. Il manque Capo aussi. Ah ouais, on va en parler. Voilà, Capo, c'est récemment, on en a parlé tout à l'heure, on expliquait Capo, c'est un leader. Capo, c'est un leader. Oui. C'est un meneur d'homme. Capo, c'est un leader. Non, mais c'est deux capitaines habituels. Dans les vestiaires, après sur le terrain. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Ouais, avec l'un, lui aussi. On est bien d'accord. Ouais, mais parce que voilà. 39. Ouais, bien sûr. Il est plus jeune non plus. Ouais, donc c'est normal. Non, mais après, par exemple, quand il peut t'appeler une certaine chose. Il pourrait être le meilleur. Voilà, on est d'accord. Dans ce rôle-là, c'est le seul talent. C'est un leader d'homme. Ah oui. Bon, moi, je suis bien content qu'on ait pas aligné ce soir parce que c'est surtout pas lui qu'il faut perdre en ce moment. C'est quand même celui qui, sur le terrain, te donne envie d'avancer. Donc après voilà, je pense aussi que Capo, il a des bons discours, il sait parler aux jeunes, dans il sait Capo, faire des choses. Alors donc ça veut dire que les autres, que ce soit donc de la porte et compagnie, ça ne fait pas avancer l'équipe. Non. Ce que je vais expliquer, c'est que c'est un gars qui a du métier. Bah, bien sûr. Et je pense qu'il peut mener son influence sur le groupe. Ouais. Voilà. Et je pense que dans des situations comme ça, il est capable peut-être de rebondir. Non mais est-ce que Rodrigo, dans cette situation qui. Tel qu'est le Castres Olympique en ce moment, c'est-à-dire catastrophique, bon, on va pas se mentir. Oui, oui. Est-ce qu'il serait capable justement pour vous de faire. Non, c'est pas 3 euros non plus. C'est pas ça. Ouais, voilà, on est d'accord. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Il n'a pas joué depuis quand? C'est pas magicien. Ouais, ouais. Il a 39 balais, tu le remets sur le terrain, ça doit être compliqué. Déjà l'année dernière, c'est compliqué. Il est revenu, il a pris des commotions l'année dernière, des blessures qui traînent. C'est compliqué aujourd'hui, on est dans une situation. Après. Le problème qu'on puisse retrouver avec Rodrigo, c'est peut-être, voilà, tu remets
en question un petit peu cette année de contrat. Et le problème, c'est qu'il se retrouve dans une situation où il, encore cette année, il ne joue pas. Pourquoi il n'est pas dans le groupe il est blessé au mollet, d'accord, c'est ça. Après, catastrophique, je sais pas. Ça, vous entendez, c'est la catastrophe. T'as l'impression qu'une équipe de 1000 fous de cougars qu'on se fait enculer par tout le monde. C'est quand t'as. Ah, j'ai dit brrr. Non, mais c'est l'impression qu'on a. Alors que t'aurais pu en perdre plus, c'est vrai. Montpellier, le prix, tu dois le perdre. Agen, ils sont pas loin de gagner chez toi. T'aurais pu gagner, qu'il y a que ça français que tu gagnes bien. Et Bordeaux, tu peux le gagner aussi. Tu gagnes Bordeaux avec de la réussite, t'as 4 victoires à la maison, 5, t'es dans les clous. C'est ça. Donc tu vois, c'est. Bon, de Montpellier, tu peux perdre. Ouais, ouais, mais bon, Montpellier s'est passé à ça. Et franchement, le dernier match, on n'a pas été rassurés non plus. Par rapport à ce qu'il propose, tu pourrais avoir. Et après, j'ai dit catastrophique, j'ai pas dit désastreux. Non, c'est pareil. C'est vocabulaire. Non, mais ça change rien, catastrophique, ils sont là. C'est, généralement, c'est Bruno Thomas, ça. Non, mais ça va venir, il faut laisser du temps au temps. C'est ouais, ouais, non, mais bon, voilà. Non, mais si ça va venir, l'ami très vite, il vient là-bas. Non, mais ça va venir. Je vous rappelle que si on est là à discuter justement de cette situation, c'est aussi parce qu'on nous a promis au début de saison. Le top 6. Non, mais alors, attendez. Les jours suivants, ça a été. Eh, tu vas pas promettre un cul. Ah, mais non, mais bon. Comment est-ce que tu peux motiver des mecs en on sait que le Castres Olympique est un des clubs les plus suivis. Non, mais là, quand t'es à Zagrebri, non, mais on sait que le Castres Olympique est un des clubs les plus suivis dans le top 14. Mais non, mais d'accord. Ils auraient dit. Par rapport à quoi? Eh bien, en nombre d'abonnés, par exemple. Sur les réseaux ouais, sociaux. C'est vrai qu'on est. Ouais, on est suivi par les deux équipes sont derrière. Donc quand t'annonces ce genre de truc, les gens ils sont dans l'attente, hein. C'est moi le premier, hein. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. Mais non, mais la on est 11e. La communication du CO, on est bien d'accord. Elle est dans la logique de la vente d'abonnement, c'est normal. Ils vont pas te dire on va jouer la on va jouer le maintien. Parce sinon... que tu vis sur les acquis que t'as, tu comprends? C'est ça. Et ouais, mais c'est ça. Et là, si tu fais une mauvaise saison, deux ans d'affilée par exemple, même que tu te maintiennes, ça va être compliqué. Je préfère la place du CO que celle du Stade Français. Parce que moi, le pire, bien sûr, c'est surtout la saison prochaine. Ouais, mais est-ce que ce qui se passe au Stade Français là dernièrement? Ça va pas arriver au Castres Olympique d'après toi? Est-ce que pour la première fois, ça va pas arriver au Castres Olympique? Non, parce que on en reparlera en janvier où c'est qu'on est. Il a des infos, il a du club, il a des infos. Ouais, non, mais moi je suis comme lui aussi. Moi je pense que qui est blessé, c'est aussi un capitaine, tu l'as plus. C'est vrai, ils sont pétés, des mecs qui. Il va avoir du mal à revenir après une opération de l'épaule. Oui, je pense que là quand même. Babillo. Ouais. Une opération de l'épaule? C'est très très long. D'après moi, il va revenir, mais trop tard. Voilà, ah ouais, il va revenir en mai, quoi. Pas avant. Ouais. Ça va être très compliqué. C'est pas Babio à lui tout seul qui va faire. Ouais, ah non, c'est sûr. C'est les manques des leaders. Non, mais il y a un manque de leaders. S'il gagne au mois de mai, il faudra que quand même les choses se passent en vente. Ah oui, parce qu'on ne fera pas bien. Parce qu'au mois de mai. On fera pas bien. Après, il faut pas être défaitiste sur tout et se dire que tout est mauvais. On n'est pas défaitiste là. On parle des résultats. Je trouve même bien optimiste. Voilà. On est bien d'accord. Non, mais il faut quand même voir les choses en face. Il y a aussi un projet qui doit se mettre en place. Tu ne peux pas tout faire du jour au lendemain, tout casser, tout reconstruire et ça marche. On est bien d'accord. C'est impossible. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça va tellement vite dans ce sport parce que financièrement, tout va vite. Il suffit que tu sois un peu moins bon quand les autres le. Meilleur, tu te retrouves vite en délicatesse. Mais sur les projets à long terme, tu peux pas attendre au bout de 3 mois que tout aille bien. Enfin, c'est compliqué. Déjà, on a toujours un problème avec l'entraîneur de la défense. Hein. C'est Richardo qui a refusé les commandes. Mais on nous parle de Joe Worsley. Alors, justement, on y revient. La sonnette. Non. Pas besoin de sonnette. Est-ce qu'il arrive ou pas? C'est officiel ou c'est pas officiel? Il est encore en contrat jusqu'à la fin d'année. Il y a des gros clubs du top 14 qui sont déjà dessus. Oui, ça j'imagine. Donc ça veut dire que c'est pas fait alors? Il doit pas être. Je sais pas, ils l'ont annoncé là. Ah ben je sais pas, je. Après moi, il y a une question et qu'on peut relancer encore, t'imagines? Que tu pourrais faire venir. Non, mais l'entraîneur de la défense serait mieux payé que ton manager général. C'est ça le problème. Mais c'est pas grave. Parce que ça. Non, mais il faut si tu as des résultats. Il faut des résultats. On n'est pas au Balkaniton là. Il cherche toujours 100 000 euros pour le billet. Il va les garder, tiens. Si tu le regardes dans ta cellule, Isabelle, si tu ne regardes pas, Isabelle va vivre. Ouais. On peut t'inviter à manger des Monster Munch. Bon, bref, alors il vient ou il vient pas? Pour l'instant, moi je l'ai vu la semaine.
semaine dernière, c'était annoncé qu'il venait. Ouais, il va venir. Il va qui l'a annoncé? C'est officiel sur le Castres Olympique ou sur les sites d'info? C'est pas officiel, mais. Ah, c'est pas officiel. Voilà. Mais bon. Une info peut-être? Une info peut-être? Non. Non, c'est bon, il va venir. Oui, mais. Ah, je suis pas sûr. C'est au champ. Hein ah ouais. Et est-ce qu'il y aurait pas... Déjà, pourquoi il viendrait? Déjà, par rapport à sa situation actuelle. Tiens, et si on inversait le problème? Il arrive parce que c'est au chômage. Il est au chômage. Il prend que 4000 balles au chômage, il s'est plafonné, il peut pas donner plus. Mais ouais, mais bon, il va arriver dans un club qui, pour l'instant... Il a fait un coup de journée à Géorgie, il était consultant. Ouais, consultant. Il a fini sa mission. Pourquoi pas? Le mec, il est libre. On s'était prompt. Il est libre, il va venir. Il va venir, c'est sûr. Après, je pense quand même... C'est sa spécialité, donc... Joe Worsley, c'était un des seuls que Urios voulait garder là-bas. Mais il a pas voulu rester avec Urios. En même temps, là, t'as deux caractères. Ouais, de coq dans un poulailler. Voilà, c'est ça, on est d'accord. Ça risque de torsader, quand même. Worsley était là depuis l'époque Ibanez, parce que c'était ensemble au Wasp. Et je pense que Worsley lorgnait aussi le poste de manager général. Oui, il voulait être manager. Donc, c'est pour ça qu'il va pas rester. Le problème, c'est que si il y a un Castres, il va pas vouloir rester entraîneur de la défense. Hein. Il va se dire... Mais tu pourrais me dire ta casse d'ici. Attention. Quand tu deviens coquine comme ça. Non, parce que je sais que des gens se disent, s'il vient pour la défense, pourquoi pas prendre carrément l'équipe entière. Non, mais peut-être que cet hiver, ça sera le cas. Ça peut durer, tu ne sais pas. C'est obligé. On ne sait pas. C'est pour ça qu'il va venir. Toi, t'as des vraies infos, lui, c'est sûr. Allez, mais Alexis Casson l'a pas trop entendu, alors. Non, mais les infos, non, mais à la limite, les infos, on s'en fout. Les infos, tout le monde les a, mais après, voilà. C'est... Je sais pas si le prochain match, là, ça va être déterminant. C'est ça. En challenge ou en championnat? Le challenge, pour être honnête, on est bien content de boire l'apéro avec nos amis sur la route. Là, on parle de ce match. On parle de ce match, mais pour moi c'est pas sur ça qu'il faut s'arrêter. Et vraiment, moi, je préfère encore, même si on gagne d'un point à l'arraché, comme on le dit, et que c'est pas toujours très beau, je préfère prendre des points en championnat qu'aller faire le beau en. Ouais, mais je suis désolé, il y a des matchs en challenge qui arrivent, et moi, ça m'attriste de dire c'est plié ce soir, quoi. Comme supporter, ça m'attriste. Tu prends 0 point. Ouais, d'accord. Les gens vont venir pourquoi samedi? C'est ça le problème. Va expliquer aux sponsors. On est bien supporters, d'accord. Payer un abonnement. Est-ce que tu penses que les sponsors, quand ils viennent, c'est pour avoir un rayonnement? Mais non, mais bon. Les sponsors, ils s'en foutent. Franchement, il reste des matchs encore. Les supporters, ils payent leur abonnement, ils payent pour. Voilà. Ils vont venir voir quoi? Tu veux qu'on parle aux sponsors pour voir s'ils sont contents de prendre des bralés quand ils sont tous d'Europe, on va sur un sponsor que Castres. Ouais, mais quand tu prends, pas sûr. Les mecs, non, mais quand t'es sponsor, de toute façon, t'assumes jusqu'à la fin de saison. Les clubs de supporters, au bout d'un moment, ils vont péter un plomb, les mecs, ils vont dire on vient vous supporter, pourquoi? Alors, à la fin, ils viennent même pas saluer les supporters. Ils se barrent dans leur métier. Si, quand même, ils viennent. Ils sont 3 sur 15, merde, non, faut arrêter. Tu sais faire parce que les autres ils comprennent pas le passé, c'est ça. Ouais, mais on voit la différence. Il y a des mecs qui arrivent et qu'en Espagne, par exemple, on va prendre l'exemple de Rory Cocotte qui, au bout de 2 mois, commençait à vraiment bien parler français. Et t'as ceux qui continuent à parler leur dialecte et qu'on comprend toujours pas. Il y a un moment, ils prennent des cours de français. Alors, soit la prof elle parle encore moins français qu'eux, respect d'ailleurs pour certains, on se pose la question. Au bout d'un moment aussi, quand on arrive dans un club comme ça, pour l'intégration, c'est important de. Au PSG, c'est pareil. Vous parlez d'un monde où c'est les mecs qui prennent le moins d'impact dans la gueule et qui en touchent le plus. Sur la reconnaissance, je préfère filer les quand t'es joueur, c'est compliqué de faire le tour du terrain et remercier les gars. Quand le côté gagné, mais ils savent au fond d'eux qu'ils ont pris le match. Le résultat, ils le regardent. Il est acquis. Le public est quand même content. Oui, bien sûr, parce que t'as des résultats. Voilà. Mais pour le moment, tu perds. Tu fais bonne figure. À Castres, quand même, quand il n'y a pas de résultat, le public il est là quand même. Ouais, toujours. Voilà, c'est ça. Bien d'accord. Toujours. Quoi qu'il se passe, c'est un peu comme à Radio Olympique. Même quand on n'a pas d'audience, on a le public. On a le même. Après, attends un peu. Enchaîne les défaites, tu verras si le public sera toujours là. Alors, moi qui suis la hyène officielle, je pense que malgré tout, même en prend des deux. Il y aura peut-être du public. Mais il y aura noyau. Mais des abonnés, il y aura noyau. Mais ouais, je parle pas des groupes de supporters. Samedi contre Worcester à 14h. Il y a quand même. Tu vas pas déplacer grand monde. Il y a quand même des visages nouveaux. Tu vas faire un stade à moitié vide. Il faut pas oublier. Qu'à Pierre Fabre. Mais tu vas pas venir pour voir ça. Oui, mais ça c'est.
ça c'est le Castres Olympique ou d'autres clubs. Hein. Quand ils sont bons, tu les bras là, et quand ils sont pas bons. À la rigueur. Ah non, ah non. Si on n'est pas, si on n'est pas diffusé, les mecs ils vont venir, parce qu'ils vont se dire putain, on est abonné, on va bien voir gratuit quand même. On pouvait applaudir. Non, c'était belle. Moi j'ai. Non, non, enfin, par exemple, moi qui débutais en étant un supporter et en allant un petit peu dans la région, quand ta première saison de rugby, tu suis leur enseigne, t'es content. Hein. Ici, hein, donc on a vécu quelques années compliquées, hein, je veux dire. Hein, alors je sais pas s'il y a un jingle pipi en fait pour le patron. Il y a un jingle pipi, il est juste parti, il n'y a plus personne dans la caméra, on peut tout dire. La seule différence que t'as aussi, c'est que. On est un club qui a toujours combattu pour les hauts de tableau. Et là, on est en bas de tableau. Et on n'a pas. On joue contre des équipes comme Brive ou d'autres qui équipes qui ont l'habitude. Quand on prend des deux, ils se battent tous les dimanches. Et nous, on se bat, mais différemment. Mais il faut être intelligent. Mais nous, on a joué ce type, pas celui-là. On a pas cette mentalité-là. Eh oui. Mais parce que t'es plus habitué à jouer ça. Tu sais que tu joues et t'habitues à jouer le top 6. Donc là, on se retrouve dans une situation compliquée quand même. C'est ça. Et peut-être psychologiquement, c'est pas du tout les mêmes approches. C'est pour ça qu'il faut des leaders. À l'époque, quand tu allais à l'extérieur ou quand tu pouvais voir les équipes qui te recevaient, elles te craignaient parce que tu étais l'équipe qui gagnait le plus à l'extérieur. Qui avait la meilleure défense. Donc, meilleure défense. Il faut des leaders. Les mecs, tu les impressionnais un petit peu, tu vois. Là, aujourd'hui. N'importe quelle équipe est en train de penser qu'elle peut venir gagner ici. Mais c'est normal. Et là, tout a été remis. Tout a été renversé. On a un bloc de match qui est quand même compliqué. On a Lyon. Je crois qu'on va. On va recevoir. Mais là, tu as les coups. Tu vois, la Rochelle. Il n'a pas le. Non, il a la Rochelle. Il a Rochelle. Thomas, tu peux nous mettre le calendrier. Tu vas à La Rochelle, tu reçois Lyon le 21 décembre. Le 21 décembre. Non, mais justement, on a Lyon le 21 décembre. Et tu joues à une sortie de Coupe d'Europe. Si Lyon un peu gaz un peu, il pète un peu d'effectif. Il est le 21 décembre avant les fêtes. Mentalement, c'est un peu relâché, entre guillemets, peut-être. C'est Lyon, on les souhaite. Tu vas après, tu vas à Clermont, tu vas tout loin. Ouais, mais des équipes comme ça, sur les équipes comme Lyon, qui sont bien. Physiquement et mentalement, même qu'il faut tourner l'équipe, ils sont meilleurs ils sont autant. Mais, ils sont bons. Donc, ouais. Mais parce qu'ils sont en confiance. Ils sont en confiance, les mecs. Ah, c'est compliqué. Quelqu'un peut sonner sur la sonnette, voir si elle fonctionne quand même de temps en temps. Allez où non, ah. T'as entendu, je le regarde. Il est revenu à regarder. Isabelle Marty-Piquet qui nous a mis un petit commentaire. Vas-y. Mais, je sais pas. J'espère que tu t'es lavé les mains. Non. Et surtout ça. Ah, c'est ça qui sent. Mais tu lis le commentaire en direct, espèce de grosse merde là qui vient de me je t'ai accueilli chez moi et tout. T'étais presque t'étais presque plus rien. Ce soir, tu m'as trahi. Justement, c'est l'inverse en fait. Radio Olympique n'existait plus. Je suis venu pour vous aider. Je suis le Rabbé Pierre en fait. Bon, on passe à l'homme du match, ça y est, vous n'avez plus rien à dire. On passe à l'homme du match, est-ce qu'il y en a un? Il y en a un ou pas? L'arbitre. Non, silence, on passe à l'homme du match, jingle. L'arbitre, ok. Allez Julien, l'homme du match, s'il y en a. Alors, moi j'en ai un, moi j'en ai un. Moi aussi j'en ai un. Alors, Marc-Antoine Rallier. Le Waterboy, comme on va l'appeler dorénavant. Le Waterboy. Oui, on se met même. Non, mais c'est une honte. Franchement, c'est une honte. Marc-Antoine Rallier, le Waterboy, pour moi, c'est une honte. Tu sais, je trouve pas que ce soit une honte parce que. Mais si, il faut arrêter. Pour en avoir parlé avec lui, c'est lui. Quand il est pas dans le groupe, demande à pouvoir le faire. C'est pas une honte, c'est qu'il doit être. C'est tout à fait. Non, mais c'est attends, tu fais les gens. Qui c'est qu'il a eu le meilleur joueur là? Personne. C'est nous qu'on va aller. Non, on va en parler. Ah oui, oui. C'était qui au talon firmé, remplaçant, c'était qui? Sosari. C'est jeune. Exactement, un espoir. Non, mais Marc-Antoine, c'est tout à son honneur. Ça y est, je gagne. Mais il faut pas déconner quand même. Tu sais, moi je trouve que c'est pas une tare. Le mec, il a fait. Il a participé avec tout ce qui peut être avant le match, tout. Ouais, mais avec tout ce qu'il a vécu au Castres Olympique, finir, voir une image en ce moment, ce soir, sur le PCR, le voir porter la bouteille d'eau, et c'est pas la première fois. Non, mais regarde les Blacks, regarde les Blacks jouer, quand Reed joue pas, il est porteur d'eau, quand Savia joue pas, il est porteur d'eau. Ouais, mais on parle de l'équipe nationale, là, c'est pas la même chose. Non, mais c'est pas. Il est pas dénigré de porteur d'eau. Il est d'accord avec moi pour une fois. Le porteur d'eau à Soragout, c'est qui? Pour moi. Ça dépend. Ah, bravo! Entraîneur, coach, bravo! Bravo! Pour ceux qui pensaient que c'était un coup, pas bravo! Entraîneur, coach, bravo! Je suis pour le donc, donc, on va faire un vote pour que Reggiano porte les bouteilles d'eau la prochaine fois. Alors, non mais. Oula, tu sais que c'est aussi un moment.
Quand tu vas voir dans la touche, quand tu envoies sa route, tu n'as pas le droit de rentrer sur le terrain. Patrick Fury, il n'est pas disponible pour porter les bouteilles d'eau. Oh là là, il a appris la règle. Qui ça? Patrick Fury, il n'est pas disponible pour porter les bouteilles d'eau. Il va dans les garennes, non, lui? Ah oui, non. Attendez. Ah non. Oh, la meilleure place de la soirée. La meilleure place de la soirée. Mental de poulpe. Attendez. L'ours, c'est un déclassé. D'après Mauricio, il y avait trop de travail. Belle émission. On peut mettre en terre d'eau. Non mais on parle quand même de Marc-Antoine Rallier quoi. Sans déconner, moi ça me fait chier. On a pas mis de prolongation de contrat d'ailleurs. Ça me fait chier. Alors qu'il accepte, bon, ok, c'est tout. Mais qui te dit que c'est pas lui qui l'a demandé? Mais c'est lui qui a dû le demander, c'est pas qu'il accepte. Est-ce qu'on en est sûr ça? Oui, moi, oui, mais la fois, on en a parlé, mais c'est une vraie source. Ça c'est d'un vrai club. Non, ça c'est vrai. Non, mais ça c'est, on en a parlé avec Marc-Antoine Rallier. Il n'avait pas de honte quand il se retrouve au 4e et qu'il fait les changements, qu'il est avec les joueurs et tout. Lui, ça ne le dérange pas. C'est même lui qui demande à le faire. Il avait demandé la première fois à Bayonne, il avait été refusé. Et on l'a remis la semaine d'après juste parce que voilà, on l'a récompensé. Mais je trouve aussi que dans l'implication, c'est quand même quelque chose. Le mec, tu peux pas lui retirer ça, c'est pas une tare non plus de porter de l'eau. Enfin, non, mais j'aurais préféré le voir sur le terrain que porter de l'eau. À l'époque, Yamamazo, il a même porté de l'eau. Non, mais attends, t'aurais pas préféré le voir sur le terrain que porter de l'eau? Alors, sur ce match-là, non, je préfère pas voir Marc-Antoine Rallier. Marc-Antoine Rallier, je préfère le voir quand on joue à Pierre Fabre, alors pour le championnat. Parce que pour moi, Marc-Antoine Rallier, cette année, c'est le numéro 1. Je me mouille. Pour moi, il est devant Dieu. Je sais pas si t'as le droit d'aller porter de l'eau. Ah mais ouais. On va rechanger le débat. Alexis Garçon, il se demande où il est quand même. Allez, réagis. Mais si, réagis Alexis, vas-y. Il a le droit, mais je crois qu'il y a quand même un challenge cup pour faire ça. Il a porté de l'eau. Oui, c'est ça. Parce que tu as une chance de ne pas le faire. Et c'est ça. Non. Je ne sais pas comment on arrive à faire le débat sur ça. Mais moi, je suis prêt à demander à Marc-Antoine Rallier de venir me servir l'apéro alors. Non, mais moi, j'étais joueur. Et je suis passé de l'autre côté de la barrière. Et il y a plein de chances que tu vois même une petite série que pour moi, c'est frappant. Mais que tu n'as pas le droit de faire. Et là, c'est pareil, au niveau, ça doit être pire. Ouais, bah oui, bien sûr. Ouais, donc c'est très réglementaire. Ouais. Mais oui. Alors, on a Kevin Chavannes qui réagit, qui dit, moi, je vote pour qu'il reste porteur d'eau. Kevin est dans une grande forme, mais je sais pourquoi il est énervé, parce que demain, il n'a pas match, en fait. Et qu'il n'est pas là dans l'émission. Il n'est pas là dans l'émission. Kevin, il te reste une demi-heure. Ah, il peut venir, mais là, il connaît la réponse, le gars. Tu peux venir. J'ai mon caporal. Il pourra te montrer ses jetons, mon frère. Bon, sérieusement, pour venir à l'homme du match. L'homme du match. Bon. Bah, il n'y en a pas. L'homme du match, c'est très très compliqué dans cette situation. Moi, j'aurais dit Fernandez quand même, qui a été bon. Qui s'est vachement démarqué de l'équipe, qui a été un des meilleurs, de toute façon. Non, c'est démarqué, moi, j'ai quand même s'il a joué peu. Il a été bon. Ballon en main, il y a de la vitesse. Il est propre quand même. Non, il est propre. Après, donc, le problème, c'est que est-ce que ça veut dire qu'on peut le voir en top 14 hein? Bah, il n'y a pas un petit problème avec Rory Cocotte au Castres Olympique? Oh là là, ça y est, lui, il en sort. Ah, bah, je sais pas. Lui, en fait, il travaille chez Voici. Hein, c'est sûr. Il a des actions dans les trucs. Il a vu la ferme de Rory Cocotte sur le Bon Coin. Il s'est dit, c'est bon, il a déjà fait ses valises. Non, mais ce soir, donc il était aligné. Il y a beaucoup de rumeurs contre Rory Cocotte, donc je sais pas. Il a fait un contrat. Il aura 33 ans l'année prochaine. Qui a des tendances à vouloir partir. C'est pas des tendances. Déjà, quand tu parles de contrat, il a un CDD. Donc quand il arrive à la fin. Oui, mais après il a un année optionnel, non? J'aimerais juste que quand tu parles de tendance, tu mettes pas ta main comme ça. Juste ça parce que je veux pas. D'après les rumeurs de. Non mais voilà, après les bruits de couloir. Aujourd'hui, on va se retrouver avec quoi comme numéro 9? Rado et Fernandes? Ça tu sais pas, ils vont shooter. Ça c'est Barry White. Oui. Après, le problème, c'est que par exemple, quand tu t'étais penché sur le cas des talonneurs, on avait appris qu'on était sur celui de Pau, là. Lespio. Exactement. Qui, lui, a reprolongé du coup à. Il n'est pas là à Bordeaux, lui. Non, il a reprolongé. Mais il est à 40 000 euros par mois, il a reprolongé. Après, c'est un super joueur. Non, mais attends. Très très bon joueur. Après, c'est un gif. C'est un gros. Aujourd'hui, ce qui intéresse les clubs, sauf effectivement qui ont le droit un peu plus. Un petit bout de bagnard. Replonge aussi. Tu prenais les deux. Les deux, c'était cadeau. Moi je prenais les deux, entre Pau et Castres, ils sont de Pau, tu restes à Pau. Ben ouais, les mecs, ils jouent avec quand même. L'homme du match. Ah voilà. C'est compliqué.
Donc tu vois, il y a des beaux commentaires quand même de la part de Christian Calmet. Parce qu'on arrive à te lire, Christian. Salut, merci de nous rejoindre sur l'émission. Alors, il nous dit, je viens de prendre l'émission en route. Que du lourd, Jérôme teste un arbitre international, etc. Jérôme porteur 2, porteur 2, et agent d'ambiance. Et agent d'ambiance. Ah ouais, ah je le connais le monsieur là. Ah bah, qui le connaît pas, mais tu sais que c'est. Bientôt Christian. Quand est-ce qu'il vient à l'émission justement, je pose la question. La première fois, il s'est loupé, on a failli avoir le père et le fils. Ouais, déjà le dimanche c'est bien, ils en vendent pas, ils parlent de pays, alors là on aurait été bien. Mais si Christian viendra, c'est un très très bon. Très bon. Alors pour le joueur du match. Il n'y en a pas. Bon, on enchaîne alors. Je pense que tu peux enchaîner. Donc là, pour la première fois du joli Garchot, il n'y a pas d'homme du match. À part Marc-Antoine Aramier. Le Gallois, la blonde. Moi, j'ai pas blonde, mais Loana. Loana était pas mal, la blonde. Il était dans le squad, il a fait un squad, il a fait un squad. Allez, le coup de gueule. Ben moi j'en ai un quand même. Ah, moi aussi. La diffusion. Ça me vient de suite, ça y est, j'ai une lumière. Est-il normal que tous les matchs de challenge européen aient été diffusés sur les chaînes anglaises, sauf le Castres Olympique? C'est quand même compliqué d'être engagé sur une compétition. Bon après attention, site de PCR là, ils ont fait l'effort de pouvoir le diffuser quand même, ça c'est bien. On a même vu les mecs passer la tondeuse à la fin. Après j'ai vu que c'était suite au plein des supporters castrés. C'était pas prévu. Sinon ils n'avaient rien à foutre. Voilà, donc c'est... C'est un manque de respect pour le club. Non, c'est quand même compliqué. Pour le club ou pour le club adverse aussi? Eux, je pense qu'ils avaient une diffusion, les Français. Oui. Non. Bah, a priori, non. Mais alors, c'est très bien. Donc, on va repartir avec Bernard. Bonsoir, Bernard. Est-ce qu'on peut s'inquiéter quand même? Parce que ce soir, on a une diffusion sur le site de l'EPCR. Il n'est pas d'Étonne, il vient d'Italie. On l'a trouvé pour ton dos. C'est moi ou Cassan, il est rouge complet? Non, ça va. Bon, bref, sérieux. Ce soir, il y avait une diffusion sur le PCR parce qu'il n'y avait pas de choix. Non, parce qu'il y a plein de supporters cassés qui étaient montés un peu au créneau. Donc, est-ce que les prochains matchs changent, vu que maintenant vous avez dit que c'est mort, est-ce qu'il y aura une diffusion? En Russie, je pense pas déjà. Non, la Russie, oula. On prend les paris. Je suis même pas sûr qu'en Russie, j'ai une équipe vraiment dans le samedi. Peut-être samedi sur France 4. Ils ont une équipe en Russie. Attends, tu joues à quelle heure? 14h samedi. Tu seras sur BeIN? Tu seras peut-être sur BeIN. Oui. Non, BeIN, c'est la Coupe d'Europe. C'est pas le challenge. C'est pas le challenge. Oui, t'as les clubs. Il y a des clubs qui sont sur BeIN. Mais ça sera à La Rochelle, Bordeaux. Bordeaux ce soir contre les Wasps, c'est diffusé sur BeIN. On est à La Rochelle, c'est pas sur BeIN. C'est pas sur France 4. Ouais, il y a des matchs sur les deux, je crois. Non, mais moi je m'inquiète personnellement. Est-ce qu'on verra le CO la semaine prochaine en diffusion? On ira les filmer, nous. De toute façon, on dira. Ce sera pas meilleur que le PCA. Bon, c'est vrai que le caméraman de ce soir, on aurait pu croire que c'est Radio Olympique TV. On n'a pas pu faire l'aller-retour ce soir. C'est pas évident, il passe la tondeuse à la mi-temps, c'est compliqué. Quoi, vous disiez? Non, mais après, le gros problème, c'est que c'est pas normal sur une compétition européenne, et quelle qu'elle soit, de toute façon. À partir du moment où tu dois couvrir les matchs, tu les couvres, c'est tout. On se retrouve encore dans une compétition où on n'a même pas d'arbitrage vidéo. Mais attends, on est quand même... Il y a des tondeuses. Et pour vous dire même que là-bas, ils ont pas de tracteur, ils ont trois tondeuses. Avec trois mêmes derrière. Non, franchement, c'est grave. C'est pas normal. On n'est pas n'importe quel club. C'est pas normal. On est quand même reconnu. Européen parlant, je suis pas sûr que le Castres Olympique soit reconnu. On n'a jamais rien gagné. Mais ça reste un club. On a aucune valeur européenne. Pas tous en même temps. On n'est pas attractif pour les diffuseurs, ça c'est le problème.
Vas-y, quand tu vas à l'extérieur. Oui, mais après, c'est comme enfin, nous, c'est les match, adversaires aussi. Ces matchs, quand tu les achètes, ça se passe en début de saison. Tu sais pas si le Castres Olympique va être bon ou pas. Non, mais à partir du moment où même, déjà, tu n'attires pas en Europe, c'est compliqué, mais tu n'as jamais joué cette compétition. De toute façon, le challenge européen, c'est le challenge des tocards. Je crois que la seule demi-finale, c'est contre le Munster. Le challenge européen, c'est pas ça fait pas rêver. Mais ça fait tellement pas rêver que l'année dernière, Clermont, ils ont quand même gagné. Mais Clermont, ils l'ont joué à fond. C'est normal. Prison effectif de fou. Ils avaient trois équipes, c'est normal. Ils se sont retrouvés là un peu par. Une petite erreur. Toulouse l'avait fait il y a deux ans. Oui, je crois, ouais. C'est le Stade français qui l'avait gagné aussi. Clairement, on l'a gagné l'année dernière. C'est pas un truc de. Après, c'est qui manque. C'est qui le monsieur qui fait. On voit même pas l'image. On a retrouvé un jardinier. Ça prouve bien qu'il y a du public. Ça a changé ça là. Parce qu'avant, quand tu avais été européen, quand tu étais promu, tu montais aussi. Même que tu sois. Tu faisais la Coupe d'Europe. Hein. Même que. Kevin Charan est en grande forme. Trois tondeuses, mais ils ont gagné. On sait qu'il ne va pas jouer demain, il est en grande forme ce soir. Mais quelque part, tu rigoles de l'amateurisme du reste, mais c'est vrai que tu as perdu ce match après. Je crois qu'à l'anniversaire du capitaine. Jérôme. Ah, Jérôme, bon anniversaire en fait. Normalement, ça finit au S Club tout ça. Allez, Radio Olympique TV, ne cautionne pas ce qu'il vient de se dire. Donc si on a cité le S-Club, il faut citer aussi le Rouge et Noir et chez Cassan. Chez Cassan. Le Royal Tite, je sais pas moi. Non, c'est le Royal Turbine. Bref, sinon vous avez un coup de gueule ou quoi? Non, un coup de gueule, il n'a pas. Enfin voilà, c'est pas. Ça fait déjà une heure qu'on débat. Le coup de gueule, c'est le manque d'envie quand même. Tu mets 13 joueurs, qui n'ont pas joué ensemble la saison. Parce que t'en as que 2 qui sont. Ils n'ont pas joué la saison, mais ils ont joué ensemble jusqu'à maintenant. Arrête de t'en faire un toi aussi. Non, mais sérieux. Trop d'individualité. Ouais, on en a 15 quand même. Les mecs, ils jouent pas en équipe. Ça. Non, tu vois sur les 22 là, ta première ligne, attention, pas tous en même temps. Ta première ligne, elle a jamais joué ensemble. Et ben alors, les mecs, il faut les faire jouer ensemble. Ben, c'est ce qu'ils ont fait là. Ah bah oui, on a vu le résultat. Mais oui, attendez. Est-ce que quelqu'un a le numéro de sa maman? C'est le chat noir, le mec. C'est le chat noir. Salut. Le chat noir. Oui, il y a un monsieur qui. Non, mais au bout d'un moment, il faut les lancer, les mecs. En équipe de France, le mec qui n'a pas joué, Il a donné un exemple tout à fait concret. Tu peux avoir de très très bons joueurs individuellement, tu les prends chacun, c'est des gros joueurs, très bien. Tu les mets en équipe de France, c'est plus pareil. Bah, voilà. Si tu les encadres pas avec des joueurs sur ta colonne vertébrale, t'as personne quoi, tu restes. Non, c'est que tu leur laisses pas le temps de s'expliquer. Voilà, mais c'est sûr. C'est plutôt ça. Non, mais les mecs, tu loupes un match. Parce que les mecs ils sont bons, il faut laisser le temps à l'équipe de France, c'est comme notre club. Il faut laisser le temps de faire. Là, les mecs, on les envoie au casse-pipe dans un stade où que personne connaît, c'est compliqué. Moi j'adore ces petites expressions de casse-pipe et tout. Qu'est-ce qu'ils risquent? Ils n'ont rien à perdre. Non, mais ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. Ils se ratent, ils sont pas une équipe. On vraiment fait qu'il y a un peu d'envie quoi. Mais si, il y en avait. On n'arrive pas à. Au bout de 4 passes, on est un an d'avance. Après, il y avait une belle défense. Il y avait une belle défense aussi. Après, j'ai pas vu le match. Alors, la défense. Parlons peu, parlons bien. La défense du Castres Olympique ce soir, ça s'est amélioré ou pas? Non, c'est la merde. Mais en fait, on voulait l'autoroute dans le temps, non là. On a un arbitre ce soir, il va peut-être prendre des Alors, monsieur l'arbitre, justement, Thomas Courtois lance monsieur l'arbitre. L'arbitrage de monsieur, c'était Doyle. Doyle. C'est quand même bizarre que tu disais pas ça en off, dis donc là, il a changé lui. Le monsieur. Ah mais parce qu'il bouffait du panettone, c'est pour ça. Gilet jaune. Il vient d'Italie en plus. Allez, monsieur l'arbitre, silence. Après, sur la défense, la grosse erreur, les deux grosses erreurs que tu fais, c'est sur les passes. Voilà, c'est des contres. Deux interceptions qui sont lamentables. C'est ça qui m'aide. Ah, ça va te faire plaisir, je veux juste savoir le nom du passeur. Non, je ne citerai pas en plus. Si on l'a dit tout à l'heure, Radjo fait deux passes. Ah oui, mais c'est ça qui de la merde. Ah, mais là, la rame, le bateau, il est crevé. C'est le rame de la Méduse. Du poulpe, putain, mais t'écoutes rien, toi. Non, mais ça déconne. Là, le bateau, il est crevé. C'est quand même rattrapé sur un. Après, en deuxième mi-temps, il n'était pas très très mauvais. Ça, c'est une bonne analyse. J'aime beaucoup le pas très très mauvais. Ah, il a. De toute façon, je pense qu'on peut clôturer la petite.
gagnant, c'est que pas toi. On pourrait rester la nuit. Non, mais on pourra refaire le match, de toute façon, ça sert à rien. Après, il y a une équipe en face aussi qui. Mais le problème, c'est que c'est pas un match. Ah, voilà. Je sais pas ce que ça va aller. On est bien d'accord. Ça reste un match à l'extérieur. Ça fait plaisir à défendre, les mecs. Faut pas non plus taper que sur le casque. C'est que les mecs en face, ils ont envie de défendre. Quand tu fais une saison comme t'as et le pré-match que tu fais de la conférence européenne, tu le fais à l'extérieur. Non, mais l'équipe d'en face, c'est quelle division quand même? Soyons bien d'accord. Eh bien, c'est la Ligue 7. Ouais, oui, voilà. Et oh, ils sont 5e ou 4e, je crois. 5e, tu l'as regardé tout à l'heure. 5e, tu l'as regardé tout à l'heure. Ils ont 9 points. Ils sont entre les Ospreys et. Il y en a un qui va vomir dessus. On ne supporte pas les arbitres, excusez-moi. T'as de la chaise qui est jolie gare entre nous, je t'aurais déjà cassé la gueule. Que de la gueule. Attends, non, mais c'est matériel. Touche pas mon frère, s'il te plaît. Arrêtez. Bon, allez, on va pas refaire le monde. On va passer à la question au fil rouge parce que ce soir, il y a un jingle. Ça va. Non mais sérieux, on a coupé les micros, mais c'est une catastrophe. Bon, la question fil rouge. Regardez bien. La question fil rouge. Est-ce qu'il était temps enfin de lancer Jérémy Fernandez? Alors justement, parlons peu, parlons bien. Déjà, on va vous remercier parce qu'encore 400 personnes. Alors juste, on fait une petite apportée avant de parler du fil rouge. Il y a juste une personne du public qui a ton frère, voilà, il faut le dire, qui a cru voir Rémi Grosso dans le studio. Alors, je voulais juste dire. Bravo! On a Rémi Grosso dans le sujet. C'est un expert de lièvre, il a dû choper la myxomatose. Il est à poil. Hey Julien, tu m'avais promis ton frère pour en réponse ce soir. C'est mort. Non, sérieux. Voilà. Donc du coup, on s'est retrouvé avec 398 votes, voilà. 88% de oui pour 12% de non. Donc déjà, merci pour tous ceux qui ont pris le temps de voter. Et pour moi, en fait, c'était là où on a essayé de diriger cette question. C'était surtout par rapport à récompenser en fait Jérémy Fernandez qui depuis deux ans n'a pas eu de temps de jeu et qui le mérite pourtant. C'est avec les espoirs quand même, il montre de très très belles choses. Et je pense qu'à un moment, il était temps pour lui d'être lancé. Et moi, ça m'a fait plaisir de le voir sur le terrain. Et puis, on est dans la continuité aussi de voir d'autres espoirs. Hein. Je pense à Sosaré et tout. Voilà, ça... Non, mais il a fait son match, Jérémy Fernandez. Hein. Il a fait un super match. Hein. Parce que c'est son premier match en pro. C'est quand même évident. Je lisais un truc là. T'arrives à lire? Ouais. Ça, c'est dit. Alors, ouais, vas-y, dis-nous. Non, mais c'est. Thierry Rigaud. Le seul truc qui l'handicap, c'est d'être supporter de Marseille. Mais bon. Il est pas emmerdé avec la Champions League, lui. Ouais, c'est vrai. Il est pas emmerdé. Ça, c'est réglé. Sur les défenses, il a tout à fait raison. On se fait enfoncer. On se fait 2-3 fois. Bon, on n'est pas plus là. Et on perd les touches. On n'était pas là. Mais c'est très bonne analyse. Sur le fil rouge et par rapport à Fernandez, c'est aussi beaucoup d'attentes qu'on a autour de ce joueur. On entend beaucoup de bien, nous on va le voir souvent avec les espoirs. Il est quand même très très bon, très bon joueur aussi, c'est un buteur. Depuis qu'il est dans le gros pro, il joue vachement moins avec les espoirs quand même. Le gros problème il est là, c'est qu'à chaque fois on pourrait l'attendre et le voir. Mais non, je te connais pas. Laura, tais-toi. Monsieur joli gars, ah, vous nous faites chier. Laura aussi, il est pas trop rouge. Il faut éteindre les lampes UV, ils sont pas bien. Non, mais regardez bien. Quand on s'est sûr qu'il est loin de faire. Il est pas sa vitesse. Mais de moi, de profil, je pensais que c'était Yannick Noah au début. Yannick Noah. Non, arrête. Je sais pas si vous voyez aussi bien. Le nom de 90 sur l'instant. Mais non. Tu vois pas la même chose que moi. C'est pas possible. Est-ce que vous avez une lunette 3D pour le public? Non, mais ils sont déconnés. C'est vrai en plus. On peut faire les génies de côté. Non, mais. Ils sont malades. On fera un selfie. Je promets un bon selfie à la fin de l'émission. Bon, allez, bon, sérieux. Allez, c'est quand même. Rémi, il est beaucoup plus joli que lui.
Mais on m'a dit qu'il était moins rapide. Ah, mais là tu le dis, il y a un air. Donc tous ceux qui ont rigolé. Bon, pour conclure avec le fil rouge. Non, mais le fil rouge, pour moi, c'était intéressant. Et peut-être que voilà, il vaut plus s'appuyer à pouvoir intégrer ces jeunes-là sur cette compétition, même si c'est pas simple. Mais je pense que voilà, pour moi, Jérémy Fernandez, il a sa place. Voilà, il faut l'intégrer un peu plus. Peut-être qu'il va falloir lui donner du temps de jeu, un peu de confiance. Contre Worcester. Et c'est aussi le. T'as pas l'impression que tout le monde attend après lui quand même? Après, c'est une obligation. C'est une obligation. Si Coco t'es en fin de contrat, je sais pas. Vous lui mettez la pression avant même qu'il. C'est pas lui mettre la pression, il a 20 ans, il est bon, il a 20 ans. J'arrive pas à comprendre qu'on en soit un niveau. On n'est pas capable. On se pose toujours des questions qui sont très simples en fait. On a déjà les réponses, on se pose des questions. Pour moi, il a son cursus espoir ou quasiment il a le gros bout. De toute façon, il ne va pas montrer plus. Il le fait déjà très bien. Aujourd'hui, le seul niveau et le seul palier qu'il doit franchir, c'est celui avec les pros. Donnez-lui des chances. Il n'y a pas d'autres questions à se poser. Pour moi, aujourd'hui, Fernandez, il a sa carte à jouer. Il est prêt. Il a la place là. Et puis, c'est quand même aussi sur cette continuité. Ça fait 2 ans qu'il n'est pas loin d'être là, qu'on ne le voit pas, qu'il n'intègre pas. C'est compliqué pour lui et je trouve que. Et ça fait longtemps, parce que contre le dernier match contre Brive, on a fait un petit après-match sympathique. Et il attendait ce match avec impatience. Hein. Bien sûr. Pour moi, c'est tout à fait mérité qu'il soit là. Et le problème, c'est qu'après, il faut faire attention avec les jeunes aussi, c'est la frustration. Après, le dernier match que tu as. Le prochain match que tu as à faire ici, là, tu vas tirer nos cartes. Hein. Si jamais tu gagnes, peut-être que. C'est gravé. Mais après, si jamais tu perds. Tu le perds, de toute façon, c'est payé. Ouais. Et il va faire le jeu. Et il jouera plus. Oui, il jouera ici, il jouera et voilà. Alors oui, il y aura les espoirs quoi. Parce que souviens-toi, enfin, je parle d'il y a 20 ans de ça. T'avais un 9 à Grasse, c'était Séguier. Le jeune qui apparaissait à lui. Il joue contre la Grande. Il fait sa place. Il était sur la fin, Séguier. Ça fait naturel, la cocotte, simplement un profil. Il sera. C'est la relève, c'est la relève. Tu vas se dire, et à Louis, on va aller faire carte qu'on a connu. Après ça me fera grandir. Moi je pense aussi qu'à 20 ans il est dans une situation que beaucoup de joueurs pour le moment. Aujourd'hui si tu n'impliques pas un minimum dans le projet, le mec il va avoir des propositions à droite à gauche. Hein. Juste, il va se barrer. Hein. Juste on va quand même mettre un petit coup de sonnette s'il te plaît, parce que celle-là elle est belle. Sylvain Vidal a reconnu lui aussi Rémi Gros Saucisson. Il faut arrêter, on sait qu'à chaque fois que les clubs viennent, il y a les potes qui disent. Ah non, je les connais pas. Il les connaît pas. On le sait, Alors attends, c'est lequel? De parole, ça c'est pour faire connaître son Facebook. Un savoir rugbystique hors du commun, l'idole de tout un peuple. Oh! Mais c'est normal, c'est opposé. Enfin, on dit la vérité ici! Tu peux faire la tradition sur les invités en plus, c'est ça? Les invités, eh ben justement, on va y passer aux invités, hein! Attention, il y a un jingle! Parce qu'il a travaillé, monsieur! C'est parti! Allez, passons aux invités maintenant! Ah, le club de. 200 adultes. C'est compliqué avec le public en fait. Hein. Nos invités se tiennent bien, nos chroniqueurs ils sont là, c'est tout. Mais le public, ça part en noisette. Donc, déjà tout d'abord, merci de nous avoir rejoints ce soir. C'est franchement un plaisir de pouvoir partager avec vous. Et puis, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Rémi sur un plateau. Donc, ça nous fait bien. On va commencer par l'entraîneur-joueur. Alors, cette troisième équipe de Saint-Magout. Ça s'est passé bien, très bien. C'est un nouveau challenge pour moi en étant un joueur qui a arrêté depuis 4 ans et Damien Desplis m'a contacté pour entraîner et
c'est une nouvelle étape, ouais, ou une nouvelle aventure. Hein. Bon, c'est des gars que je connais pratiquement à 85%, je les connais tous parce que j'ai joué avec et j'ai bringué avec même. Il bringue encore. Hein. Il paraît que c'est en troisième mi-temps que ça se gagne les matchs. On aura des dossiers peut-être. Si à ce niveau-là, si t'as pas, la camaraderie, voilà, c'est ça. Mais après, ça se passe bien. Hein. C'est au plus bas niveau, mais on est content de se retrouver. C'est un peu compliqué pour certaines choses, mais après, ça se passe très bien. C'est pas frustrant quand on était joueur pendant longtemps de se retrouver sur le côté comme ça? Si. C'est un peu pas compliqué, mais quand t'as encore la gagne de jouer, c'est compliqué d'entraîner. Vas-y. Mais bon, après, ça se fait, ça se passe. Bon, vous avez des hommes sous la main, la fratrie Caballero? Oui. Alors? Ben bon, j'ai rien à dire. Il y a pire pour un entraîneur. C'est pas pour le mec. On peut pas rêver mieux, on va dire. Tu vas pas leur apprendre. Vous avez perdu une touche cette année? Non. On en a perdu plein. Oui, c'est vrai. Ah, on en a perdu. Ah, ça balance. Ça balance. Ils s'auto-flagellent avant les commentaires. C'est moi qui lance. Allez, ne commentez pas, pas la peine. Et alors, non, mais je sais pas de causer des mecs comme Caballero. Non, mais faut pas croire que. Non, je sais pas, c'est bien, c'est les mecs que c'est. Non, mais on est bien d'accord. C'est bon. Une équipe de campagne, une équipe du club. Ouais, c'est tout, ouais. Parce qu'on nous fait passer un peu pour une équipe de mercenaires. Il faut savoir, on est quoi. C'est pas loin quand même, hein. Non. Oh. Non, mais je fais mon métier de l'ailleurs. Voilà. Viens voir les licences. Ouais. Tu verras, on est que des clubs que nous sommes à goût. Que nous sommes à goût quand on a joué de cadet, junior, en senior, en une en réserve. On avait tous arrêté, plus ou moins. Je crois qu'il y avait 4. Il y a beaucoup de recrutement. Hein. Non, mais là, on parle de. C'est des mecs qui sont revenus. Oui, c'est des mecs qui sont revenus. Nous, on parle de nous. Les gars qui ont arrêté, ils sont revenus. Il y en a 3 revenus. Oui, 4-5 licenciés l'année dernière. En 95%, on avait tous arrêté. Et en fait, on a rappelé, on a commencé à en parler début juillet, on était une dizaine. On s'est dit, bon, ça va arriver fin juillet, on s'est retrouvé, on était 38-40 en entraînement. Quoi. Ah oui, donc, le copain du copain qui vient, si tu vas, je viens, et au final. C'est normal, ça les gars qui avaient arrêté depuis 2 ans, il y en a qui avaient arrêté depuis 10 ans, depuis 15 ans. Non, mais Saragoud, c'est une marque maintenant. C'est une institution. Quand on parle de c'est toujours positif. Parce que franchement, dans le temps, on parle rugby, on parle Castres Olympique, on parle rugby, et après, on parle Saragoud. Ouais, c'est une des plus grosses écoles de rugby. C'est une des grosses écoles de rugby maintenant. C'est du temps là. Il y a toutes les formations et même il y a 2 équipes des fois par formation. Par catégorie, ouais, c'est ça. Ouais, il y a un effort des dirigeants qui est fait au niveau de la formation. Donc après, ça se rejoint au niveau de l'équipe 1 qui a fait des bons résultats. L'année dernière, ils ont fait. On en était loin. L'équipe 1, l'équipe 2 aussi qui a fait deux finales. L'équipe 2 qui a fait deux finales. Le sort à goûter. Ouais, deux finales l'année dernière. Cette année en Fédéral 3, ça gaze comme personne imaginait. Donc, Les 3 équipes en fait restent sur la continuité. Ouais. L'équipe 2 est plus mauvais, compliquée au départ, mais qui enchaîne là. Compliqué au départ parce que l'intégration de beaucoup de jeunes et ils ont joué les grosses équipes au début. C'est compliqué quand tu joues 1, 2, 3. Là maintenant ça revient mieux, ils sont au milieu de tableau et je pense que. Mais tu le sens du coup sur la continuité aussi, ça permet aux équipes de se tenir et de toujours avoir une réserve, que ce soit sous l'équipe qui est toujours en dessous. Mais là en Fédéral 3, donc le club est monté en Fédéral 3, je crois que c'est il y a 15 jours, sur l'équipe 1, équipe 2, 44 joueurs, il y en avait 11 qui étaient juniors l'année dernière. Ouais, donc ça fait 25% de l'équipe qui est en Fédéral 3 cette année. C'est des juniors, que ce soit en 2 et en 1, parce qu'il y a des jeunes de 18 ans, ils sont bons, ils jouent en 1. Bien sûr. Voilà, donc non, après c'est la formation qui fait que nous on était formés là-bas, et du coup maintenant nous on se retrouve, nous c'est plus une équipe de vieux maintenant. C'est ça qui peut nous faire mal au cœur quand on entend des mercenaires, tout ça. On a même un gars à Bolo, là, Michael Fruitier, qui vient de Nancy. Il se tape un aller-retour pour jouer avec nous. Il a arrêté de jouer là-bas pour venir avec nous. Il est militaire, il va rentrer de là où il est. Il est au Mali, là, jouer avec nous, tu vois. Donc, et faut pas croire, parce qu'on a joué en honneur fédéral 3, mais on est des joueurs de 4ème série, tu vois. Au début de la saison, on apprendra à faire des passes. Hein. On part de là. Tu vois, donc faut pas dire, c'est mercenaire, c'est juste qu'on se connaît. Qui c'est qui dit ça? C'est des clubs locaux, on va être honnête. Franchement, c'est qui dit ça? Les clubs locaux? Non, mais c'est une certaine jalousie des clubs tarbés. Moi, j'ai pas essayé de faire de la jalousie. Mais il y a des clubs qui sont des Valero. Attention. Il y a des clubs fermayennes. Non, mais c'est normal, parce que il y a plein de clubs. Il y a plein de clubs qui aimeraient avoir, comme vous, une multitude. Et nous, on y est pour rien. Moi, j'aimerais être payé 7 euros par match. Il y a beaucoup
le club qui aimerait avoir trois équipes. Mais nous, bien d'accord. Non, Nibron, on a réussi à le faire. Et je pense que la formule magique est là où ils insistent sur ça, c'est que c'est des mecs issus du club. Et ça fait 20 ans. Mais le bien commun, c'est sur Ragout. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est le club. C'est là encore une fois. Alors, c'est quoi qui fait que le club de Ragout est un club familial? La proximité, tout. Moi, je crois que c'est un bassin. Est-ce que la fusion entre Saïs et Soal, ça portait vraiment ses fruits? Maintenant, on le sait, quoi. Ouais, c'était la meilleure solution vis-à-vis de vous. Tout. Déjà, il y a les résultats. La première année, moi, j'étais joueur quand on a fait la fusion. On a fait le doublé, et je pense que c'est quand même une fierté pour le club. Pour les joueurs, tu y penses parce que en vieillissant, pour ce moment, non. Mais pour le club, quand même, c'est quand même une fierté. Et il y a quand même des dirigeants. Et même constamment les présidents, ils y sont depuis le début quand même. C'est le même. Hein. C'est toujours les mêmes. Hein. Il y a quelques types qui sont qui viennent un peu, mais c'est, il y a toujours les mêmes quand même. Et puis c'est un club qui fait l'effort de faire toujours un repas d'avant match, ouais, un repas, enfin, toujours. Un repas du vendredi, un repas du dimanche. Ça se généralise maintenant quand même. Cette semaine, les terrains étaient suspendus. Oui. On a laissé l'équipe une. Alors qu'est-ce que vous en pensez justement de ces terrains suspendus quand même? Moi j'ai joué sur. C'est quoi le vrai motif? C'est quoi l'humidité? C'est quoi? On est au mois de novembre, tous les terrains sont suspendus. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire pendant l'année? C'est clair. Non mais là les non mais alors justement c'est quoi qui pousse justement la ligue, le comité? C'est les mairies. Le problème c'est le problème des communes et qu'à un moment l'entretien des tout ça. Non mais après s'ils cherchent des ratos scarificateurs, on en a. Ah oui, il y en a. Justement, qu'est-ce que vous en pensez de ces décisions? C'est la mairie qui décide. On n'a pas d'autre mot à dire. Ah, ça, les municipalités, tu refais un terrain joli, si tu le laboures, c'est ça. Tu peux commencer aussi des ronds pour les mairies. Ouais, bon, moi j'ai connu à l'époque de Soal, quand c'était sur Olympique, on a fait un match, je crois, il n'y a pas un brin d'herbe. Ouais. En plus, c'est de la terre qui colle. T'as un sacré cycle sous les godasses. Mais c'est rigolo. Ouais, la semaine dernière, tu dois jouer le samedi soir à Saint-Amand. Le terrain est suspendu, et moi je les comprends. S'ils lèvent la suspension, ils auraient pu faire, il fallait que les jeunes jouent, il aurait fallu que les féminines jouent, et nous on joue, ça fait beaucoup de monde sur la même journée. Après c'est dommage parce qu'à Saint-Amand il y a beaucoup de châtaignes. Hein. C'est un joli coin là-bas. Non mais après ils sont comme nous, ils organisent une soirée le samedi soir et tout. Et voilà, c'est pour faire la fête. C'est l'argent qui se perd. Tu vois, mais pour parler de châtaignes, tu vois. Non, mais sans ça, c'est parce qu'on parle de ça. Mais nous, là, moi, on a dit 4ème séro, on va prendre des marrons, mais ça se passe bien avec tout le monde. On n'a pas pris un carton, exactement. On n'a pas eu de bagarre et des super traits d'esprit, tu vois. Puis Laurent, premier derby un peu chaud, mais après, chapeau, puis Laurent, tu vois, ils ont remonté un club, ils ont failli crever il y a quelques années quand même. Tu vois, ils se refont la cerise, je pense, actuellement, c'est le plus fort de la poule. Nous c'est une super équipe. Hein. Ah non, on a même remarqué. Quand on en a parlé avec Jérôme, qui sont venus pour Puylan, hein. Quand on en a discuté avec eux, on s'est rendu compte qu'en fait, ils sont repartis de la base. C'est-à-dire, ils ont perdu l'argent, ils le savent. Mais ils reconstruisent le loto du mercredi, le repas du vendredi. Et on sentait dans le discours de Jérôme et de Kevin, et même du dirigeant qui était venu avec. Les mecs, quand tu t'en parlais, ils te le vendent, quoi. Tu sens vraiment qu'ils aiment ce club et ça passe par là. Et quand t'as des mecs sincères et des mecs qui se bougent avec toi, ça te donne envie. Faut dire qu'ils sont intelligents, plus vraiment. Non, ah, alors, si, ils ont fait un terrain en pente, il n'y a jamais d'eau, donc ils peuvent tout aller. Je crois que le terrain de Saragout, c'est pour ça que je suis un peu ballonné. Il est un peu ballonné, mais il est propre. Moi je vais rentrer un peu dans le vif du sujet. Oui, rentre dedans. J'ai bien rentré depuis début septembre. Alors vous avez les nouvelles règles du placage. Je voulais savoir comment vous l'avez accueilli au niveau du club, comment ça s'est passé les premiers matchs. Les premières cravates, c'est une cata. Tu prends des pénalités, mais après, tu comprends, mais après des pénalités, des fois tu prends le gars un peu haut au ballon. Il n'y a pas de danger, même. C'est un peu compliqué. Hein. C'est ça, le placage à deux, il faut arriver à une seconde après, c'est quoi l'histoire? Non, il faut faire le geste d'arrachage et pas de placage. Malheureusement, c'est l'arbitre qui a la décision. Hein, donc après, pourquoi, comment. Le placage à deux, c'est très compliqué. Bien sûr. Pourquoi elle a été mise en place cette règle? C'est pour descendre les plaquages au niveau le plus bas possible parce qu'ils se sont aperçus, soi-disant. Nous, on a fait le premier match, on a eu deux gars qui sont ouverts. Le second match, c'est deux gars de chez eux.
Alors le problème d'être à cette règle, oui. Moi normalement, moi je dois pas donner mon avis. Je vais donner mon analyse des matchs. En fait, si tu veux, les mecs vont se baisser au plus bas, ils doivent pas plaquer au-dessus du nombril. Sauf qu'ils vont peut-être se prendre un genou. Le plancher orbital. Si la tête n'est pas bien placée. Donc tu peux quand même avoir des blessures. Ça, c'est au fil des matchs qu'on va adapter. En deux matchs, 4 blessures. Voilà, et souvent des épaules, je pense que vous devez avoir. Là, c'est quand même les deux qui se percutent derrière. Pas quand même. Voilà, donc c'est. Ah, parce qu'ils ont pas fait le geste. Et si, non, ils l'ont fait chacun de leur côté. Voilà, ils l'ont fait chacun de son côté. Ouais. Okay, c'est pas qu'à deux mains. Et s'il y en a un qui va mourir notre en bas, il se perd de bord. Et le problème de ces plaquages, c'est qu'on le voit à la première mi-temps, ça peut très bien se passer. Mais quand les mecs commencent à être crevés, c'est ce qu'on s'aperçoit, c'est que en seconde période, tout remonte, t'as des plaquages à zin. Tu peux avoir une très bonne première mi-temps sans carton, sans avoir sifflé le plaquage off. Et ce qu'on s'aperçoit à ce niveau-là, c'est que. Dès que tu as la fatigue qui arrive dans les jambes, tu fais moins l'effort de te baisser. Et c'est là qu'après. Après, c'est comme tout, c'est la première année. C'est la première année, c'est les années de transition sur ces réels, sur tout ça, il faut t'y mettre. Franchement, c'est dur pour y aller, en bas. Quand une équipe, les clubs qu'on était voir. Quand t'as plus de 30 ans, c'est dur de se baisser. Oui, c'est la vérité. C'est dur. Par exemple, moi, tu vois, j'ai pas besoin de lever les bras. Je suis bien. Non, mais même que tu sois petit, il faut y aller quand même. Ce genre de plaquage, c'est bien. Alors, c'est bien de le mettre déjà à des mecs qui ont 30, presque 40 balais. Mais quand il y a des jeunes qui vont être, je prends en catégorie crabos ou etc., qui ont appris toujours à plaquer à ce niveau-là, ces jeunes-là, là, qui sont en crabos, en Almercerie, dans les clubs comme le CEO, là, qui vont arriver en Fédéral 2 ou en équipe amateur, ils auront toujours appris à ce niveau, à plaquer à ce niveau-là. Et là, on n'a pas descendu le plaquage dans ces catégories. Le problème, c'est que voilà, tu donc les mecs vont arriver avec des habitudes de plaquer ici, et enfin ici, à ce niveau-là. Et ça. De toute manière, ils ont produit cette loi et on est obligé d'avoir. Elle sera peut-être adaptée ou changée. Alors, nous, les deux premiers matchs, au niveau des cartons, ça s'était pas trop. Laissé un peu faire quand même. Mais là, depuis. Là, ça commence à envoyer les cartons. Nous, on avait vu l'arbitre justement entre Saint-Amand et la Bruyère, il avait décidé au départ de partir sur les cartons blancs. Ouais. Il l'a expliqué, mais vous êtes pénalisé financièrement, le club aussi, parce qu'on sait ce que ça coûte un carton jaune, hein. Enfin un carton jaune, hein. Un carton jaune. Donc du coup, ils avaient décidé de partir sur les blancs, mais on se retrouve à un match où à un moment, ils étaient 13 contre 13, enfin, c'était compliqué, parce que sur chaque premier impact, alors les mecs venaient à deux, mais sans le vouloir, parce que c'est dans le jeu, les mecs, enfin... Mais c'est plus maladroit que. C'est ça, c'est même pas volontaire. Nous, là, on va faire un match Montastruc, c'est ça on leur a laissé le ballon pendant 20 minutes, on a fait que défendre. Premier quart d'heure, on a fait 10 fautes, je crois. C'est ça, 10 fautes. L'arbitre a été intelligent, il n'a pas mis de carton. Ouais. Et le match après, c'est très bien passé. Il n'y a pas d'intelligent encore. Par exemple, nous, le match qu'on a vu entre La Bruyère et Saint-Amand. Sauf qu'il y en a une directive qui lui fait c'est carton jaune, rien d'autre. Soit tu manages ton match, tu mets des pénalités. Est-ce que vous vous rendez compte que financièrement. Là, tu vas pas m'apprendre à moi ce que c'est la directive de l'arbitrage. Mais ça, c'est les tiennes. Là, je crois qu'on a un fight en direct. C'est celles qui sont données à l'ensemble des arbitres français. Oui, mais c'est pas. Regarde, on a vu ça, on ne peut pas le changer. On a vu un l'arbitre ne peut pas changer. Je l'ai vu, donc c'est une erreur d'arbitrage. Là, on est d'accord. Première action, t'as un coup d'en avant. Qui déclenche une générale. Tu la vois. Donc c'est carton rouge. On est pas sûr. C'est carton rouge. C'est carton rouge. Mais le problème, c'est que cet arbitre a laissé un point. Je te jure, nous on a été le voir à la. Il a même pas voulu nous voir d'ailleurs. On a interrogé tout le monde. Il voulait plus nous voir, lui, mais. Il a commencé à faire des rapports partout, il a appelé les mecs, osé, ouch, qui non, mais c'est un problème de management. La règle est claire, si c'est un plaquage haut, on peut pas mettre un carton blanc, c'est des fautes. C'est rouge, sauf que le truc, c'est là, un plaquage haut, c'est un plaquage au ventre. Tu peux pas pénaliser un plaquage là et un plaquage là. C'est-à-dire que t'imagines, tu vas prendre la même sanction pour un plaquage au niveau du torse. C'est totalement ça, ouais. C'est pas logique. Non, mais c'est une question de. Je vous parle de management. Déjà, tu m'appelles messieurs. Messieurs. Mais c'est une question de management. C'est pour ça que le match. Faut que ce soit intelligent. C'est soit carton, soit rien. Mais est-ce que c'est deux mots qui vont ensemble? Un arbitre intelligent. J'aime bien la phrase. Moi, j'ai pas fait. Il a dit que l'arbitre soit intelligent. Non, c'est pas du tout. Mais non, mais bien sûr qu'il faut que ce soit intelligent. Enfin, un arbitre qui amène pas du pain des tonnes. Non, mais après, ça reste à l'appréciation de l'arbitre. C'est compliqué. C'est compliqué aussi. Ça reste à l'appréciation de l'arbitre. Non, mais il voulait peut-être appeler des ménages. Là, j'aimerais m'exprimer. Stop, pas tous en même temps. Thomas, tais-toi. Pardon. Ce que j'explique,
calmement, ça va bien se passer. Non, le truc, c'est qu'en fait, si tu veux, on peut. Je te parle de carte jaune, c'est ce qu'il faut mettre dans l'enceinte. Vous inquiétez pas, on va vous relaxer. Par contre, il y a des plaquages hauts, c'est du management. On va pas siffler systématiquement parce qu'il y a un plaquage qui est un peu au-dessus. On va manager, on va dire descendre, mais dans le truc, et tu laisses surtout l'avantage. On va pas siffler systématiquement. Si on siffle ça, on ne va plus jouer. Par contre, il faut que tous les arbitres soient clairs sur un truc, et pas un qui va mettre du blanc, l'autre du jaune. Voilà, c'est quoi, il faut que ce soit de la cohérence. Tout le monde on a eu des problèmes au début. Les joueurs, c'est compliqué pour eux. Et nous, on s'en a aperçu, c'était aussi compliqué pour nous. Petit à petit, je pense que ça rentre à peu près dans le cadre. Mais c'est comme tout. On te change ça du jour au lendemain. On te dit qu'est-ce qu'il en pense, monsieur l'entraîneur ? Il ne faut plus plaquer à deux. Il ne faut pas plonger à 3 mètres de la ligne sans faire un. Enfin, tu ne peux plus faire de pick and go. C'est tout un truc qui change d'un coup. Ouais. Donc ça ne peut pas se faire en 3 mois, 4 mois. C'est pas possible. Alors, monsieur l'entraîneur ? Ça fait des années que ça c'est. Moi je dis que c'est compliqué de plaquer en bas. Après, c'est tout aussi compliqué pour les arbitres. Hein. Ça veut dire le ballon davantage. C'est pour tout le monde. Parce que de chaque côté, t'es 15. Et il y en a qu'un avec les idées. Il est tout seul, lui. Hein. Donc après, si c'est à moi d'analyser sur le moment. Je trouve que l'arbitre, c'est celui sur les terrains de série qui est le plus encouragé par le public. Et bien, manager, le faire. On est de jolis. On n'est pas des. Des machines, facilitateurs de jeu. Voilà. Ouais, donc il faut qu'on aide les joueurs à pouvoir. Vous avez fait des passages, les arbitres, justement, dans le coin, dans les clubs, bon. Sur ça, oui, je pense que chaque arbitre avait son club à aller voir pour passer le message, à savoir comment il fallait faire des entraînements dirigés. Ouais. Je sais pas si on a fait une réunion là, c'est qu'à la moyenne, là. Et là, il y a un autre truc qui arrive, c'est un truc qui va aussi révolutionner le rugby amateur, parce que ça, c'est un truc qu'on attend depuis des années, qu'on nous promet qu'on va avoir des trucs. Oh, c'est l'horoscope. J'ai pas un jiggle scoop, mais ça va venir. Il n'y a pas plus d'argent dans le rugby, ça, c'est pas vrai. Non, ça, c'est vrai. Ça fait des années que le foot s'y est mis, c'est-à-dire qu'on va dématérialiser tout ce qui est feuilles de match et paperasse. On va passer sur des trucs informatisés. C'est-à-dire qu'on passe plus sur. Qu'un arbitre va venir avec une tablette alors. Donc, non, on n'aura pas la tablette. C'est les clubs qui vont nous fournir soit un ordinateur sur place ou une tablette. Il y a juste le repas. C'est les clubs qui payent en fait. Donc, c'est l'État fédéral. Là, ça va être un problème quand même. Parce que tous les clubs qu'on reçoit disent on n'a pas d'argent, c'est le minimum et tout. D'ailleurs, on vous rassure, nous non plus n'avons pas d'argent. Ils sont ordinateur, ils sont obligés d'avoir un ordinateur. Pour faire les licences, obligé. Après, c'est juste. Alors, est-ce que par exemple, Saragoude ce soir va nous dire on va fournir la tablette. Mais c'est juste, il aura accès à l'internet et l'ordinateur, parce que normalement, il va faire son rapport. Alors là, par contre, pour Puleron, il va être emmerdé avec internet. Alors, ça se passe pas comme ça, je vais t'expliquer très rapidement. Voilà. Le représentant fédéral, c'est celui qui gère les remplacements et tout ça, il aura son téléphone, et ça va être obligatoire. Il n'y a pas besoin d'internet en fait. Il va lancer la partie, il fera les remplacements. Directement, ça sera tout en direct. Par exemple, toi, tu vas vouloir voir le match, tu verras le match est parti, tu verras en direct les essais. Ok, donc toi, jusqu'à lui, il le met en direct quand il sort. Ça, ça sera jusqu'à un petit série. Ça va descendre à tous les niveaux. Alors, la Ligue, il y a que la PH et toutes les poules de PH. Il y avait une poule de PH qui était en test. Ah ouais. Ils l'ont testé sur pas mal de trucs. Là, il y a tous les jeunes qui vont passer très rapidement. Là, à partir de ce week-end-là, toutes les catégories de jeunes vont y passer. Et après, au mois de janvier, peut-être un peu plus tard, je pense qu'on aura tous les niveaux qui vont y passer. Alors j'ai Emmanuel Cousinard, qu'on connaît personnellement. Salut, Alexis, on t'attend pour arbitrer le retour du match du Toric. Est-ce que vous savez par exemple c'est quoi ça? C'est la troisième. Par contre, juste une chose. On sait que ça fait deux matchs, il y a des problèmes entre ces deux équipes. Comment vous le gérez en interne au niveau des quelles équipes? Tu n'as pas cité. Sur la Bruyère et Toré. On va pas mentir. Sur les deux dernières rencontres, ça a été tendu que ce soit sur la blouse, en dehors. Il y a eu beaucoup de choses. Ça fait deux bagarres générales. Il y a eu un match à la Bruyère qui est très très compliqué. Même les supporters qui étaient très très compliqués. C'est vrai. D'ailleurs, on a filmé et on était. Comment vous le percevez alors que vous savez que vous avez ces éléments-là? Comment on fait pour pouvoir assainir ces choses? Les Toré, ils sont chauds. Pas trop bon, c'est tout. Là, il n'y a pas d'autre solution. Il faut être bon et savoir manager tes deux équipes. Et savoir regarder. Moi, je vous annonce, si vous avez vu le spectacle des Châtaignes au mois de mai, prenez l'arbitre que vous avez vu. Là. Il faut mettre un arbitre avec de l'expérience. Il faut mettre un arbitre. Les mecs, ils commencent. T'en as qui commencent à ce niveau-là. Il faut mettre un arbitre qui démarre. C'est pas évident. Je vais t'expliquer le jeu. C'est que cet arbitre, il a été net. Il avait arbitré que des catégories jeunes avant son premier match. Et oui, il était très très jeune. C'est son premier match. Non, mais ils ont tous droit à leur chance quand même. Voilà, pas des arbitres. Non, mais on sait. Non, donc,
qu'après, il non, fait les choix. Tu commences par quand t'es joueur, c'est pas le coup de au visage, tout. Tu sais ce que ça peut être. C'est parce qu'il a pas su manager son tout. Tout dégénère. Mais non, il a pas vu ça. Il l'a pas vu, il a dit. Moi, il l'a pas vu. Mais il y a des trucs que tu peux pas voir. Il y a des trucs que tu mets des tantans, des claques, tu sais qu'elles sont parties. Il l'a pas vu. Tu retournes et tu vois qui c'est. À un moment donné, c'est à toi de gérer ton truc. Après, s'il a 3 ans, même pas 3 ans, si c'est son 3ème match, il a jamais. Ça fait un an qu'il arbitre. Quand t'es joueur, c'est pareil. Tu tapes des ballons, tu fais des mauvais choix, tu fais des conneries. C'est exactement pareil. Quand moi c'est bon, maintenant tu me la fais pas, j'ai 8 ans d'arbitrage, tu sais manager ton truc, tu sais comment ça va péter, à quel moment ça va péter et à quel moment il va falloir sortir les bons cartons au bon moment. Ouais. Il y a plus d'expérience sur ce match-là, tu as plus d'expérience, tu vois bien que c'est normal un peu les arbitres. Tu vois bien que j'ai vu ça, tu vas mettre un gamin qui se lance. Je vais te dire honnêtement, on va pas se critiquer entre nos collègues, mais ça se voit que c'était pas un arbitre. À ce moment-là, de mettre sur. C'est ça, on est d'accord. C'est la désignation. C'est pas le bon arbitre à voilà, cette désignation. Pas parce que tu sais qu'il y a des précédents. Voilà, c'est qu'en fait, si c'était son premier match, c'est compliqué de pouvoir manager. Quand j'ai vu le coup de coude en direct, quand j'ai vu qu'il ne mettait pas de carton, c'est rouge direct, j'ai dit ça finira pas correctement. Voilà. Ça a fini, comme tu l'as pensé. Le Touré, vous les avez. Il est compliqué. Non, il devait les jouer samedi dernier, mais c'est annulé. Vous les avez encore. Il y a un aussi qui a fait son premier match, que le mec, c'était contre qui? Oui, moi, je compte plus le rôle. Non, non. Ça viendra avec les années. Bon, bref, revenons à sort à goût quand même. À nos invités. Est-ce que cette année, on va avoir droit à un sort à good day de nouveau entre l'équipe 1, l'équipe B, l'équipe 3? Mais clairement, non. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que toutes les équipes sont plus ou moins contre nous. Je parle de l'équipe 3. Donc, déjà, on est interdit de phase finale. L'équipe du que ce soit l'Occitanie et France, on devait plus ou moins faire ce challenge du terroir là qu'ils ont mis en place aussi haut. Pour lequel la Radio Olympique a été invitée dernièrement. Et bien, on a appris dans la semaine que. Vous n'aviez pas le droit de jouer. Ça, c'est pas normal. Et à quoi c'est dû alors? Pas tous en même temps. À quoi c'est dû? Clairement, certaines personnes. Non, certaines équipes que vous avez reçues ici, nous mettre des bâtons dans les roues, clairement. Les mecs, ils sont jaloux, ils sont quoi? On sait pas. Après, ils sont jaloux, c'est quoi? Pas tous en même temps. C'est quoi le principe de cette décision de pouvoir refuser une équipe par rapport à une organisation? Parce qu'on s'est retrouvé à monter cette équipe 3, la ligue, le comité s'est retrouvé dans une impasse. Ils ne savaient pas, ils n'avaient jamais vu, donc ils inventent un règlement au fur et à mesure pour nous, en fait. Déjà, on est une équipe de série. Le comité du temps invente un règlement à faire mesure. C'est ce que vous êtes en train de dire. Attention, il va prendre du temps. Attention, on est une équipe de 3ème série. On nous a obligés à prendre des licences de fédéral. Voilà. Faut savoir que c'est pas le même prix. Sachant que nous, on s'est tout financé, on s'est payé les trucs. Donc nous, on a des licences de fédéral. On se les paye. On a payé 100 euros chacun. Donc c'est 150 euros. Chacun, on a fait 100 euros. Je crois que c'est ça. Et on a eu 16 personnes qui nous ont offert les maillots, les chaussettes, le short. Et les vous pouvez les remercier. Et les ballons. D'ailleurs, vous pouvez remercier vos sponsors. On les oublie pas. Alors, il y a qui? Il y a Oak Residence, oui. L'atelier coiffure. Ils font de la résidence senior en ce moment. Les cuisines, Canadas. Et le tailleur de l'île. Stéphane Montané qui joue avec nous comme des sous. Aviva. Et les ballons. Il a offert les ballons, Stéphane Montané. André O, il a pas mis les ronds. André O aussi. T'es un titane. Il a pas mis les ronds non plus. Aviva, c'est une cuisine. Monsieur Laurent Dupont de l'agence STI. API. Laurent. Merci, Laurent. Non, mais c'est vrai, ça reste les sponsors, c'est les anciens du club. Ouais, c'est les gens du club, les familles. C'est des gens fidèles. C'est bien. Fidèles à vous. Mais pour en revenir sur de bouclier du temps, après, on ne sait pas. La situation, là. Il y a une mamouille dans le club. Attention, quelque chose d'anormal qui est en train de se passer. Non, mais là, on parle du comité du tard, monsieur Alain Rey. Non, mais toi, tu t'en fous peut-être. Toi, tu vas rentrer chez toi ce soir, tout le monde s'en fout. On parle pas de la même chose. Là où il y a raison, et on n'a pas de langue de bois. Voilà, il n'y a pas de langue de bois. Il y a peut-être un ami à toi. Mais on est en train de dire que ce soir. Est-ce que ce soir vous êtes en train de dire que pour ce fameux rendez-vous du mois de mars, on ne sait pas encore. Apparemment, il y aura une décision finale à la fin du mois, mais il y a un comité directeur. Après, nous, quand même, après le truc, c'est que ça s'est toujours bien passé là, le peu de choix avec toutes les équipes, tu vois. C'est très bien passé. Oui, ça a été très bien. On parlait, on discutait, on parlait de tout, tu vois. Donc
Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de geste, tu vois, et ça se passe bien. Tout le monde, j'avais peur que ça parte à la bagarre. Le 4ème 5 s'envoie, c'est pas le cas. Et c'est des clubs qui sont bien, tu vois. Montant, si tu dépasses en bas à Lyon, là, super sympa. Moi, j'étais non, blessé. Mais la 4ème série, on l'aime bien. Hein. Il y a des équipes comme Brest Olympique. Écoute, parce que quand même, les gens. C'est super sympa. Mais je sais pas, après, c'est qu'on se met. Si on nous dit Milano, ça fait monter. Tu vois, plus Laurent, moi, j'admire beaucoup quand ils ont rebondi. Moi, ça, je suis un peu les gars. Plus Laurent, ils tournaient à 16, 17, je me dis, ils vont crever. Et tu vois, ils se sont tués. Ils ont réussi à ressusciter. Jérôme, ça fait moins qu'il est au club, il s'accroche. Ah, après, bon, il est pas jeune, Jérôme, il a 34 ans aujourd'hui. Et d'ailleurs, tu vois, il a fait les deux entraîneurs de Plus Laurent, ils étaient chez nous quand le champion de France en 2005. C'est Kouch, parce que Kougot, qui était notre entraîneur d'Allonge, il était aussi chez nous. Donc, je pense que ça se va bien avec tout le monde. Après, l'histoire, on la connaît pas. On nous a dit, c'est dommage. On ne dit pas le championnat de France, ok, Occitanie, non, peut-être qu'il y a un bouclier du temps, ça peut être sympa de finir comme ça. Bien sûr. Tu vois, si on finit à 100 ans, on nous dit, peut-être, vous n'avez pas, on ne sait pas, parce que c'est pas l'espoir. Non, parce que non, mais justement, ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que Saragoud fait partie du fameux programme du Castres Olympique? Le 100% région. 100% région. Oui, oui, mais on va pour les. Attends, pour l'équipe 1 et l'équipe 2. C'est ça. C'est tout. Après, nous, on savait dès le départ que les phases finales, c'était barré pour nous. Voilà. Oui, ça, on le savait. Ça, on le savait. Ah oui, mais je pensais qu'on allait faire quand même la coupe du tarmac. Ben, on nous avait dit ça. Ça, il y a eu un article. Est-ce que ça pouvait attends, écoute-moi. Il y a eu un article qui a été fait sur la dépêche. Ah, c'est pas normal. Quand on allait participer à la coupe du Tarn. Et le lendemain, il y a eu des gens du Tarn, des équipes qui ont fait une lettre et où on a appelé le comité. Comme quoi, c'était pas normal qu'on participe. Et pourquoi on peut pas boucler? Stop. Mais c'est ça. Là, j'avoue que c'est pas normal. C'est pas normal. Mais alors pourquoi on pose pas une question directement? Mais au départ, avant que l'équipe se fasse, presque, on n'aurait pas dû le faire non plus, parce qu'il y avait des gens qui avaient fait des lettres. On a les lettres, on a les mails, on a les messages, on a tout. Donc du coup, on peut parler à l'arrêt, c'est ça? Hein. Donc on peut juste poser la question. Mais à l'arrêt que j'ai rencontré justement il y a trois semaines, est-ce qu'il pourrait et que j'ai invité à l'émission, bien je sûr. Sais qu'il attend mon côté. Avec quoi. Grand plaisir. Et justement, il peut peut-être revenir la semaine en direct ce soir, je lui dis, on en reparlera après, justement. Après quand même, il faut savoir quand même. Après on va pas non plus... Sinon on va faire le sort à bout de ton. Non mais bon. Parce que ça marche pour tout le monde. Non mais, soyons sérieux, on va pas non plus. Non mais, pas tous en même temps. La seule chose qui est regrettée, c'est quand même à la base c'est une bande de copains qui s'est juste fixé le seul objectif qui leur reste peut-être c'était peut-être de pouvoir remporter ce fameux trophée mais pour eux je parle parce que humainement tu te casses le remonter une équipe t'as des mecs qui travaillent pour l'administratif des mecs qui essaient d'aller chercher les partenaires c'est un club qui vit. C'est un club qui vit et en mettant des petits bâtons dans les roues comme ça, au fur et à mesure c'est l'enclin du club. Et je te rejoins sur ce principe que au niveau du comité je pense que ça serait peut-être une fierté pour eux. Parce qu'en France, c'est le seul club qui est comme ça. T'imagines? C'est le seul club qui a... Mais il faut le dire. Il y a des gars qui ont engagé dans l'équipe. Il y en a qui sont en... Non mais déjà, la saison dernière, c'était le seul club à aligner deux équipes en phase finale. En phase finale, oui. Exactement. Bon, Radio Olympique TV vous a porté la poisse, on est bien d'accord? Les équipes, pourquoi pas? Les équipes, pourquoi pas? Ils ont du mal à faire une équipe. Nous, on propose trois équipes tous les dimanches quand même. Et eux, ils ont du mal à faire une équipe. C'est quand même la jalousie, toi, c'est pour ça. Mais ça, c'est ça. Les mecs, ils sont jaloux. Mais ils sont jaloux, même. Alors, justement, vous expliquez. Alors, attends, stop. Comment vous expliquez, justement, que Saragoud a trois équipes et pas les autres? Est-ce que je peux l'expliquer, moi? Est-ce que je peux dire quelque chose? Non, je veux que monsieur l'entraîneur réponde. Moi, de l'extérieur. De l'extérieur, en fait, c'est pour moi, c'est cette grande famille. C'est des mecs. Qui n'ont pas joué pour certains depuis 3, 4, 5 ans. Imagine, en un coup de téléphone, un entraînement, un repas, les mecs, ils portent leur coup, ils disent, bon, allez, on repart. C'est ça. Il te l'a dit, en moins d'un mois, 40 joueurs. Moi, je trouve que sur Tête à l'Esprit, ce qui est défendu en c'est quoi qui attire justement les joueurs à Saragoud? C'est quoi l'attrait? C'est la famille, c'est ça. Déjà, l'important du projet, c'est Damien Delpy. Quand vous avez des joueurs, c'est l'idée. On va dire, vedettes de l'époque, comme Olivier Guy et tout, qui sont partis. Alors, oui. Vous expliquez mais ça, il n'y a pas que lui. Il y a des joueurs, il y en a beaucoup qui ont été formés à Saragoud. Chacun va. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, j'ai bien quitté le club, pourtant, c'est mes racines. Et voilà, dans la vie, tu fais des choix, des beaux choix. Nous, l'impression qu'on a de l'extérieur, en tout cas, c'est que c'est une bande de copains et que le positif attire le positif. C'est des mecs qui vivent bien, ça donne envie, tu viens boire de la bière, tu prends un repas, tu.
C'est, ouais, c'est une bande de copains, mais sans ragoût, l'équipe une, quand même, c'est machine, quoi. Mais on parle pas. Attends, on est bien d'accord. Là où tu vis bien, c'est comme cette semaine, c'est compliqué avec le mauvais temps et tout, qu'on en parle après. Et bien, l'équipe une, c'est normal, c'est le fagnon. On leur laisse le terrain. Et nous, on est dans la salle mercredi. Bon, c'est pas évident. On était 15 ou 16, 8 contre 8, on était. C'est quand même intéressant pour la troisième équipe, quand même. Ensuite, hier soir, on se délocalise à Navès. Un petit village à côté de chez moi, où c'est que. Fait une fabouzée extraordinaire, voilà. Le dernier lundi de la fête. Les vétérans, ils jouent au foot, ils sont une dizaine, ils ont pris la moitié du terrain. Nous, on prend l'autre côté, on était, je crois, 26 jours. C'est quand même. C'est moi, je tire le chapeau, rien qu'à ça. Quand tu as du vécu, que tu vois les gars que c'est compliqué, là, maintenant, sortir à 7 h le soir, qu'il fait froid et tout. Par contre, je voulais dire, est-ce que tu étais là parce que mercredi, il n'y avait pas de Champions League. Non, j'étais pas là. Non. Non, mais... j'ai une petite famille. Attention. J'ai une petite famille. Attention. Est-ce que c'est problème, justement, vous n'avez pas peur Non, mais on n'a pas la jalousie de tous les autres. On ne fait que le vendredi. Non, mais parlons sérieux. Localement, vous avez l'Aviron Castré, vous avez puis Laurent, vous avez Vielmur, vous avez... Vielmur, puis Laurent, la Bruyère. Sidorbe, Montagne 15 et tout Baratin. Ossillon. Alors, pourquoi Saragoutte est plus important que tous ces clubs ? Moi, j'ai fait mon école de rugby à la Bruyère, il y a presque 40 ans. Et on était, ils étaient toujours à 4 points, les amis. Et on était, plus de 300 gosses, hein. Maintenant, il n'y a plus rien. Mais ça part de l'école de rugby, ça part de Saragoutte. Bien sûr, c'est normal. C'est la base. Toutes les équipes de cadets, la base d'équipe de junior. Donc forcément, quand ces jeunes montent, s'ils sont attachés au club et tu arrives à les attacher, c'est ça qui crée qu'en gros, tu as du monde. Est-ce qu'on les attache financièrement ? Mais c'est la base. Où ça ? Est-ce qu'elle sort à goutte au pays des joueurs, par contre ? Non, parce qu'on pose la même question. Tu manges le vendredi gratos, le dimanche c'est gratuit. Tu payes le non, pays 2 euros. Non, mais c'est pareil dans tous les clubs. C'est pareil dans tous les clubs. Non, pas avec le club. Ah non, il y a des clubs qui payent 5 euros la part de la salle. Sauf par Radio Olympique, c'est le patron qui paye l'apéro. Le vendredi, on est pratiquement une centaine. Entre les joueurs, l'équipe 1, 2, 3, plus les dirigeants quand même. Après, il y a une équipe de dirigeants aussi en soirée qui. T'as une vingtaine, trentaine de dirigeants qui fait que. Ça tient les choses aussi, quoi. Bien sûr. Qui s'implique vraiment, que ce soit à la bouffe, à l'intendance. Après le match à la Bruyère, on a discuté un petit peu avec Vincent, justement. Des soigneurs bénévoles, qui est venu lui parler, qui lui disaient, mais non, mais ne fais pas ça, retire ta coquille, ton doigt va pourrir. Tout. Ah, c'est Thomas Martin, faut que me tiens, ça. Ça c'est dit. Un artiste tout qui est venu le voir pendant 10 minutes, et s'il lui a dit, si tu ne retires pas, on avait cru qu'on allait jamais s'en sortir. Ah non, c'est le père Méric, parce que... Mais tu sais, tu sens vite que dans ce club, par exemple, nous on y est venu, c'est la première fois qu'on est... À Soile, pour vous voir. Ouais. On était venus comme ça, un coup de pour. C'est pas bon. On s'est régalé. Ah ouais, on a été très bien accueillis. Après, on est resté, on a bu quelques bières. C'était vraiment sympa, on va pas s'en cacher. Hein. Et on a pu parler. C'est même là, avec Vincent, qu'on a parlé de pouvoir être présent à l'émission. Parce que c'est l'été, tu fais le bœuf à la broche, là. C'est la Pignanqui qui s'en occupe, là. Ils sont plus de 600. Ou s'ils sont pas loin, ou les dépassent. Hein. C'est attends, ils font la sardinade, là, le dimanche de la fête, là. C'est pareil. Et ça, c'est énorme. Ben oui. C'est énorme. Est-ce qu'on se rend compte que dans un village... C'est bizarre, on n'a jamais été invités, nous. Alors on sera invités. Non, mais on est souvent invités parce que tu te rends compte qu'à la consommation, on vit quand même... Ils sont là pour gagner de l'argent, pas pour en perdre. Non, mais en plus, quand tu vas dans des trucs comme ça, des fois, tu fais l'apéro et tu restes à l'apéro et tu manges pas. Ouais, et t'es content. C'est ça qu'il y a. Ta femme est beaucoup moins contente quand même. Mais moi, je l'ai remarqué quand je rentre. Je suis souvent engueulé quand même. Mais après, je dis que c'est la faute de Radio Olympique. Bon, allez. TV. Nous, elles sont habituées. C'est quoi l'objectif alors de Saragoutte équipe 3 cette année ? On ne parle pas de l'équipe 1, on ne parle pas de l'équipe B. On attend le retour. On attend le retour à savoir qu'est-ce qui va se passer. Parce que c'est frustrant, parce que c'est sympa. Pierre-Antoine, tu joues un joli stade. Ben, c'est clair. Moi, j'ai pas été. Enfin, deux ou trois personnes étaient pro. T'as mal été pas loin, je sais pas, un peu le. T'étais semi. Non, ouais, c'était pour là. Ça existait pas. Il y avait 67 qui sont en première division. Rogner était en élite, donc tu vois, ça date. Non, mais voilà, finir sur un stade comme ça passe beaucoup de joueurs. Non, mais vous, comme joueur, vous attendez quoi cette saison ? Mais quoi ? Savoir ça, être entre nous, et si on peut finir là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui partent pour moi, je repars pour un an et c'est terminé. Au 1er mars, ils te l'ont dit. Et franchement,
alors, il y a beaucoup de joueurs qui ont une saison. Je fais pas Mayenne, mais se retrouver en équipe 3, ça ne vous dérange pas en fait. Mais je sais pas. Silence, je pose la question. Au départ, ils voulaient faire presque un truc de loisir. Et le loisir, c'est compliqué. C'est pas d'équipe. Je sais pas si qu'avec le groupe qu'on a, on serait allé jouer à l'extérieur. Mais après, par contre, pour qu'il vienne, ça aurait été compliqué. C'est pas intéressant. Moi, j'en ai fait du loisir. Mais avec la bonne entente Père Fabre, c'était du loisir, mais de compétition. Mais je pense que quand même, il y avait un groupe déjà. Et ça, ce qu'on vient seulement, c'est pareil. C'est la même chose. Et toi, comme entraîneur, c'est quoi les trucs que tu trouves pour les motiver, justement? De se retrouver. En équipe 3, en 4ème, c'est de se retrouver. Moi, j'ai dit familial. Oui, c'est vrai, c'est la vérité. Après, on reste des joueurs de rugby. Non, mais on est bien d'accord. C'est gagné, on a envie de gagner. Quand on était extérieur, c'est ce qu'on a ressenti de nous. On a vu sortir des mecs, mais le pire, c'est Damien. Il tapait sur moi. Il est sorti du terrain. Bon, ce qui est bien, c'est que la buvette est d'abord à 22 mètres du banc de touche. Il a fait ses 22 mètres pour aller boire une petite gorgée. Il revient. Et là, on était Vincent, justement, il est sorti lui aussi. Et le mec, il est en dehors, mais t'as l'impression qu'il est encore sur le terrain. Alors il gueule, à un moment, tu vas faire un changement, il dit mais non, mais pas lui, mais le lui. Il te refait tout le monde, lui. C'est ce qu'on appelle les passionnés passionnants. Tu le sens que le mec, il pue le rugby. Déjà sur ses prises de balle, je pense qu'il a laissé sa carte de visite 2-3 fois. Sur quelques épaules. C'est normal, il a joué au niveau, il est resté. Il a frôlé le très haut niveau, il aurait pu y rester. Lui jouait encore l'année dernière. Mais voilà, c'est déjà physiquement, il est. Mais il était chaud, on l'entendait sur le côté quand il sortait. Et tu te rends compte comme je suis fier. Il y a 15 mecs qui jouaient plus l'année dernière. Il y a 15 mecs qui jouaient plus. On jouait plus ensemble. Et il a dit aujourd'hui, on joue nos plus beaux rugby. Mais après, tu vois, ça ne me gêne pas de jouer ni en 1 ni en 2 déjà. On n'a plus le niveau. Tu le vois, Vicen. Si tu mettrais nous en deux, on prend des courants d'air de partout. Après, on est lucide du niveau qu'elle en est. On n'est plus à notre niveau, c'est qu'on était très fort. Après, on n'a jamais été cadeau. Tu vois ce que je veux dire? Mais si on voulait postuler, on dirait. Parce qu'on ne s'entraîne pas ensemble, 1, 2, 3, c'est 1, 2 ensemble. Mais combien d'entraînements la semaine? Au début, on était à 2. On l'a refait celle-là. Et maintenant, on a fait 2. Combien d'entraînements en semaine? En fait, on s'entraîne le vendredi. Une fois le vendredi. Mais c'est compliqué parce que souvent, il manque du monde. Mais oui, le vendredi soir, on sait très bien qu'il va manquer. Donc, ce qu'on fait, c'est on sort plutôt le dimanche et on fait la mise en place le dimanche avant le match, en fait. Après, tu te sens vite que sur les équipes comme ça, en fait, qui arrivent les 3e ou les plus bas niveaux, c'est souvent là où tu as aussi quand même l'envie de devoir bien finir. C'est des mecs qui peut-être l'année prochaine ne joueront pas. Mais pour moi, c'est peut-être leur dernière année. Et là où ils doivent venir en bois. Voilà, c'est ça. Ça, on le sait pas. On ne sait pas comment ça va finir. Mais le but premier, c'était de faire une année. Vous êtes parti sur ça, mais de partir de faire une année. Ça vous donne pas envie de faire plus? Mais le but au début, c'était de faire une année ensemble, entre copains. Dernière année, on finit un jubilé tout ensemble. Le gros, voilà. Après, ça, ce serait la plus belle chose pour le cœur. Le problème, c'est qu'entre la tête et les jambes, parfois, il se passe quelques kilomètres. Après, l'année en plus, c'est bien, mais bon, tu prends un peu d'entraînement, tout est bien sur musculaire. Ou après, machin, mais quand on vient le mur, j'en sens tous, j'ai l'impression de jeter un caillou dans le mollet. Et les gens, je pense, c'est qui le coureur qui m'a dit. En fait, je t'ai déchiré le mollet. Le premier mois, on avait deux blessages à l'entraînement. On a fait des matchs à 18. Deuxième fois, deuxième match à la maison. Deuxième match à la maison, on s'est retrouvé en pénurie un peu de joueurs. Enfin, ouais, c'est bien. 40, on a fait des matchs à 18, à 19. Là, hier, on s'est retrouvé à l'entraînement, on était 25. Il pleuvait, c'était le pire temps, mais quand il faisait beau, on était que 18. Donc moi j'avais un peu peur sur ça. Mais après, t'as quand même le noyau quand même. Oui, non, mais après, il y a le noyau. De toute façon, l'ossature et ce qui reste ta colonne vertébrale, c'est. Ta colonne vertébrale, si tu restes que 8 gars, mais tu n'auras pas 8. C'est ça, c'est ça. Moi, la colonne vertébrale, t'as mal au dos. Sur 15 vertèbres, mais t'en as stocké. C'est la colonne, c'est pas ça. Non, mais t'as besoin de tout le monde. On n'a jamais aligné la même équipe, ça tourne. Avec le boulot, les familles, les gens sont tout en bas là. C'est voilà, c'est aussi pour ça qu'on est. Thomas Seguier, il cherche un club, est-ce qu'il peut vous rejoindre? Alors par contre, justement, parlons peu, parlons bien. Sorago quand même, qui est une équipe plus qu'impressionnante. Si on est sur ses résultats. Voilà. Ah mais même eux sont impressionnés par Comment vous expliquez qu'en réseaux sociaux, vous êtes naze?
Pourquoi? Parce que c'est pas notre... En page Facebook, vous avez rien. C'est privé, tout ça. Ouais, c'est privé, mais bon, même privé, ça fait 700 personnes. C'est dingue. Non, non, mais... Le WhatsApp, il y a 300 messages. Non, mais vous avez personne à Saragout. Non, mais attendez, vous avez personne à Saragout. Ça sert à quoi de fanfaronner toute la semaine pour... Non, mais regarde, non, mais attends, t'as des clubs. Attends, je suis désolé. T'as des clubs comme, par exemple, Ossillon Mazamé. Des clubs comme Bien Mûr, tout ça, ils font la composition d'équipe. Ils font des vidéos et tout, baratin, et sans raconte, vous avez rien. Ouais, est-ce que la notoriété, vous pensez que ça aide pas? C'est quand même la première fois dans le terme que j'entends un entraîneur parler de WhatsApp. Non, mais je sais pas quand même. Non, mais attendez, sans raconte était la seule équipe l'année dernière à afficher deux équipes en phase finale et tout, baratin, et vous avez des réseaux sociaux. Est-ce que la réalité, elle est pas sur le terrain? Soyons sérieux. Moi, je pars du principe pour vivre heureux, vivons cachés. Ah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais c'est tout. Non mais sérieusement. Après tous les clubs d'Arnée ont leur page Facebook bien alimentée avec des vidéos, des... Je pense aussi comme toi. Voilà. Pourquoi Saragout n'a pas ça? La Bruyère, c'est très joli à regarder. Pourquoi Saragout n'a pas ça? Parce que je suis désolé de vous le dire, mais les équipes qu'on voit le plus souvent et tout, c'est des équipes comme La Bruyère, Bien Mûr, Badali. Pourquoi Saragout n'a pas ça? Pourquoi il y a une division à Saragout? Parce qu'en fait, si on regarde bien, les réseaux sociaux sur Saragout, c'est divisé. En fait, vous avez plusieurs personnes qui font sa page. Pourquoi? Parce qu'il faut trouver quelqu'un qui passe son temps à faire ça. Il n'y a qu'un groupe. Mais je sais même pas que c'est l'administrateur d'ailleurs. Et ouais, c'est ça. Mais c'est ça le problème. Alors, c'est quoi le problème? Dans ta feuille de match, on prend le fauteuil au téléphone et clairement, mais c'est ça. Non, mais on les voit en plus. Et les compos. Et vous pensez que ça vous dessert pas ça? Mais dessert gentil à quoi? Après, est-ce qu'on a besoin de plus? Nous, on est au bout. Mais je sais pas, tu poses la question. Après, t'as quand même, t'as pas le droit à l'erreur quand même. Parce que là, les photos et tout, ça y va. Les commentaires. Ouais, mon trou. Oh, ça va, vous avez dit. Non, mais attendez, quand même. Ouais, tout ça, c'est bien. Ouais, mais des fois, c'est. Allez, commentaires. Ouais. Moi, je pense que le seul. Moi, personnellement, je trouve pas normal que vous n'ayez pas un communicant à Saragout pour. Mais viens. Un repas le vendredi, les gens le dimanche soir. Par contre, le gros problème, c'est que il aime un peu William et Lawson. Non, sérieusement. C'est un des rares clubs d'Arnée et pas une page Facebook vraiment. Après, tu commences à mettre des exemples. Dans la semaine, Pulo, ils mettent un truc, ils jouent contre Lyon, on joue contre telle équipe, et un contre quoi, vous êtes tous des paysans, des gros cons. Le gars, il frite comme ça. Moi, je parle un peu, je les respecte, ils jouent, ils montent leur équipe, ils se régalent entre eux. Et t'as toujours des équipes de Pulo, vous êtes des cons. Profil anonyme, tu sais pas qui c'est, mais qui s'appelle Riquet. Des faux profils, voilà. Non, mais tu vois, le mec, à la limite. Attention, le mec, il est tué au champ, il va dire Riquet bientôt. Si tu veux le dire, tu te déplaces, et voilà. Et tu viens devant les gens. Mais tu vois, là, le gars, il vient pourrir, je disais. Ça dis, c'est pas ça. Non, mais quand même. Respecte ce qu'ils font. Et même, avec un niveau amateur, mais ils le font. Vous êtes quand même Saragout, la troisième équipe tarnaise, quoi. Ouais, c'est ça, vraiment. Mais Après, vous aimiez. Tu veux pas savoir ou Non, mais vous aimiez pas les réseaux sociaux, c'est une chose, mais quand même. La différence, c'est que toi et nous, c'est que nous, ça, tu vois, on s'embrale. On joue entre nous, non, mais c'est vrai. Je pense que vous faites une erreur. C'est peut-être pourtant. Mais nous, on s'attape. Il y a un joueur qui a dit ouais, putain, ce serait sympa. Il y a eu 30 commentaires, ferme ta gueule, on veut pas Mathieu Simon, bonjour à toi. Message. Mathieu Simon d'ailleurs qui est danseur de rock, qui danse le 14 octobre. Champion de France de rock, c'est un second ligne danseur de rock. Mais il est nul, hein. Une seconde ligne danseur de rock. Ouais, on va jeter ça. Ah mais ça peut être ça. Après il croit qu'il est bon, mais il est nul. Moi je suis champion du monde de toute littérature. En fait sur le ventre. Voilà, bon enfin bref, on va pas voilà. Ouais, après, ouais, mais après voilà la communication. Bon, après, ça dommage. Non mais après généralement c'est quelqu'un qui est dans le métier, qui à qui ça peut arranger, qui le fait. Oui.
Mais est-ce que vous pensez pas que de temps en temps ça pourrait mettre en... Parce que moi par exemple, quand on voit les compositions d'équipe, c'est vrai que ça ferait plaisir, tu fais... Tu sais, t'es ben ouais. Trominoscope. Moi personnellement, j'aimerais bien voir la composition ouais, sur moi, ce week-end. Ouais, mais bien organisé, parce qu'il se passe dans le club. C'est ça, le problème, c'est que ça prend vraiment de temps. Quand vous pensez que vous avez d'autres clubs qui le font, pourquoi pas vous, quoi. Alors après, on sait que c'est des bénévoles et tout. Voilà, c'est des bénévoles. On est bien placé à Radio Olympique pour savoir comment ça marche. Mais bon. Après, on a peut-être quelqu'un qui toucherait un peu l'informatique, Thomas, parce que là, le soigneur de la Une, c'est... Soigneur et informaticien. Bravo. Soigneur et informaticien. Attention, j'ai entendu Tamalou qui a dit, mais t'es barjote. Non, c'est le couteau suisse du club. Maîtrise bien. Je sais pas si c'est sera la coupe pour les supporters. C'est une question de c'est ça. Ah ouais. Mais ouais, parce que c'est vrai qu'en termes de supporters, vous avez du monde, sans Ragout. Et sur le groupe, il y a les infos, il y a tout. Oui, oui. Ils les mettent, les compos. Sur un groupe privé. Ah, ouais, sur le groupe Soragout, tu m'as dit, il y a 700. Privé. Oui, mais. Ouais, oh, privé. Bien vu, bah, attention, il est dans les chiffres. C'est lui qui l'a dit, mais je sais pas. Vas-y, Rémi. Arrête les gilets jaunes. Arrêtez. N'erre pas du gilet, c'est ça. Bon, allez, top. 1h52 d'émission. Vous avez des partenaires déjà remerciés. C'est le moment, c'est maintenant. Parce qu'on n'a pas oublié. Donc, on récapitule. L'atelier coiffure. Laurent Dupont, en tout cas, Présidence, Stéphane Montagné, ça fait deux fois qu'il le dit aussi. Aviva Cuisine, Andréo, paysagiste, API, Cristalli, paysagiste, Canadas, Yannick Canadas, j'espère qu'on n'oublie personne. Inter-Occitane, Damien, qui entraîne, qui joue et qui sponsorise. Ça, c'est beau. Oui. Vous voilà. Pouvez remercier aussi tous les bénévoles, tous ceux qui travaillent avec nous, c'est Les bénévoles du club, les bénévoles de notre équipe, Bernadetto, Jean-Paul Méric, soigneur, qui c'est pareil, ça c'est les pères de joueurs qui jouent avec nous, qui étaient avant au club, qui sont revenus aussi. Tu vois, c'est donc c'est la même démarche que nous en fait. Et après, il y a une autre personne qu'on ne remercie pas, c'est aussi leur épouse, quand même. La mienne aussi. Ouh. Je veux pas foutre la merde, mais c'est pas grave. Quand t'as passé la barrière, comme je t'ai dit, tu vois les choses différemment. Oui. Tu vois les enfants qui viennent au bord du terrain applaudir leur père et tout ça. Là. Ah, il y a des choses qui sont qu'eux ils ne voyaient pas et que moi je vois. Mais après, tu vois, les femmes de joueurs et tout, ils sont pris comme nous. Et après, au bout de 5 ans, quand tu es au canapé le mercredi soir et le vendredi soir et tout, et que là, tu laisses passer leur mari, c'est compliqué. Il va nous faire chialer. C'est pour ça que moi, je. C'est une partie de club. Non, mais c'est vrai, c'est un enfer. Non, mais quand t'as fait d'accord, surtout nous, est-ce qu'on était beaucoup à avoir arrêté. Quand t'as habitué ta femme à rester à la maison, et même tes enfants à rester à la maison. Ah, jusque-là, moi je suis sauvé, je n'habite pas du tout à être à la maison. Moi personnellement, je suis blindé. Nous non plus. Ça s'entendait pas que t'étais blindé. Il y a des choses qui te choquent, des choses comme ça qui te choquent. Eux ne le voyaient pas parce qu'ils jouent et tout. Et moi je veux le voir. À l'échauffement et tout, les petits ils sont sur la barre en train de tenir. Ils voient leur père et tout. Ah oui, c'est la MJC. Et ça, c'est. On l'a vu, il y a des gamins partout. Eh oui, c'est ça. Ils sont les femmes, ils sont un peu littéral là, il fait froid, avec le bonnet. Bravo. Avec la capuche, il y a la pucette, tout ça. Ils sont là. Alexis va le mettre en ligne, il y a des enfants. Bravo. Ils arrivent en même temps. Pas tous en même temps. Ils arrivent, ils payent la bourriche. Il y a des femmes qui payent la bourriche. C'est pour nous, donc ils veulent participer, tu vois. Tu vois, il y a juste un petit mot qui résume tout ça. C'est Christophe Camé qui marque Tamalou le romantique. Il y a Sylvain Vidal, on a oublié. Marie Métallurgie, et après Dieu, il y a Christian Camé. Il y a Dieu. Et après Christian Camé, il y a on a oublié un sponsor. Ah. Sylvain le dit, Maury Métallurgie, tenu par Guillaume Bib, qui est devenu le sosie de Coluche avec l'âge. Ça sent la dédicace. Non mais moi, j'ai pas la barre, mais je suis le sosie de Carlos. Ah, oui, alors, si vous voulez venir me voir en spectacle, bravo. Et par contre, ce soir, c'est quand même la soirée des sosies, on arrive grosso. On est à Patrick Bosso. Bon, allez. Sérieusement, après 2 heures d'émission, c'est fini. On va remercier Sans Ragout, c'est clair, d'avoir joué le jeu ce soir. Les arbitres, on se retrouve donc là. Les arbitres. Je voudrais dire un mot parce que vous, il y a vos femmes tous les jours. Elles
sont sur le bord du terrain, mais les nôtres, nous on s'en va, on va se faire insulter toute la journée. C'est pire, donc elles savent pas si on va. Bravo. Ça c'est pas là, 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 là où il faut remercier quand même sa femme, c'est quand il va se faire insulter. Je vais lui rendre visite. En plus de te faire insulter, t'es cocu. Alors. Putain, je rigole. Elle adore le verre. Ouais, sérieusement. Eh, autant vous dire que l'apéro va être fatal. Moi, il faut que j'aille, je lui demande des pâtes. Oui, alors, prochain match du casse. Non, d'abord, sans Ragout, demain, vous faites un match. On joue contre le second. Alors, rappelez-moi, l'équipe 1, la B, et vous. Équipe 1, équipe 2 joue à Soie à la 15h contre Decazeville. Et vous. Et nous, on joue à Saïs. Et vous faites pas un Renan en plus, on va aller la B, demain, sur la route. À quelle heure vous jouez, les gars? On va aller les voir demain. Contre l'équipe de Valais, Aveyron, qui est les sacs. Et c'est premier contre second de la poule. Non, mais sans Ragout, on ne faisait pas un repas pour le match. On mange le soir entre nous. Voilà. Après, on joue. Et après, c'est la maison Patrice, là. Romain Patrice, un ancien joueur. Qui nous fait la réception. Allez, ouais, bien, ça c'est cadeau. Alors du coup, bah, nous, on est en train de s'incruster, donc demain, on va peut-être venir voir une équipe de rugby qui est en prochain match du Castro Olympique en challenge. Alors c'est la semaine prochaine à 14h face à Worcester. Donc si on fait une émission, si on a les images, c'est pas gagné. Sinon, la France bleue Occitanie. La France bleue Occitanie, on est d'accord. On verra le match. Ils sont pas tous les dents, les honneurs. T'as vu, il y a un super commentaire à la fin. Ah oui, il y a un commentaire de Pierre-Antoine Chessard, là. Ah, alors, je vais vous dire Pierre-Antoine, parce que Pierre-Antoine, j'ai travaillé avec lui. Et en fait, il est de... C'est un Corse. Ah merde, alors, merde, alors, merde, non, merde. Non, mais c'est pour ça qu'il écrit une grosse lettre. Et en fait, il est en grosse lettre parce que déjà, il a pas mis ses lunettes ce soir. Mais alors, pour lui, il n'y a que les trompettes. Voilà. Encore ce livre, ça se joue avec la trompette et c'est pareil partout. Rendez-vous sur le Facebook Radio Olympique pour la photo de groupe. Voilà, dans 5 minutes. Et on se revoit la semaine prochaine. Donc. À partir de 16h30, on vous remercie. Non, 16h30, non. Voilà. 16h16. Merci à vous. Ah, merci Rémi. 16h16, il y a un nouveau G. On va remercier donc Bastien, Vincent et Tamalou d'avoir été avec nous. Merci le public venu nombreux et bourré. Vous pardon. Pour la famille Joliga. Allez, Rémi, allez, allez. Allez, Rémi, allez, allez.